Bonsoir à tous. Je vous prie de bien vouloir excuser mon retard. C'est en commémoration pour le génocide arménien à Grèce. Moi, vous savez tout. Et je voulais, s'il vous plaît, déjà que l'on fasse une minute de silence pour l'Ukraine, s'il vous plaît, si vous le voulez bien. De remercier l'ensemble des élus qui ont participé à l'organisation des élections présidentielles. Merci beaucoup pour le temps que vous avez donné à la commune pour la bonne tenue de ces élections. On passe donc à l'approbation du compte-rendu du conseil municipal du 28 février 2022. Et donc on va faire l'appel, bien sûr. Donc le secrétaire de séance, qui est la plus jeune, donc c'est Anne Philippetti. C'est bon? Oui. Béatrice Bonfion-Cabassa, présente. Daniel Guérin. Présente. Sonia Borelli-Marchelli. Présente. Joanne Michelosi. Présente. Marielle Veuillet. Présente. Éric Desailly. Présente. Rola Vigreux-Andraos. Présente. Dominique Chen. Procuration à Daniel Guérin. Marie-Dominique Bagousse. Présent. Guillaume Volant. Présent. Claire Parer. Procuration à Eric Desailles. Sandra Vesperini. Présente. Rodolphe Lemaire. Présent. Fatma Touel-Clément. Présent. Florent Alfornel. Procuration à Rola Vigreux-Andraos. Nicole Ferréoux. Présent. Stéphane Tardif. Procuration à Marielle Veuillet. Joël Albanès. Présent. Nathalie Aubrieux. Présent. Guillaume Cordoba, procuration à Marie-Dominique Bagousse. France Lefort. Présente. Christophe Caza, procuration à Sonia Borelli-Marcelli. Solange Aruta. Présente. Louis Franc, procuration à Joanne Michelosi. Anne Philippetti. Présente. Olivier Vincent Dussel. Présent. Martine Yopé. Présente. Christophe Neuville. Présent. Dominique Flao, procuration à Bernard Targovla. Bernard Targola. Présent. Carole Sciorato. Procuration à Martine Yobé. Frédéric Solnon. Présent. Annie Dier. Présente. Merci beaucoup. Nous passons donc à l'approbation du compte rendu du dernier conseil municipal du 28 février 2022. Y a-t-il des remarques? Merci. Pas de remarques particulières, merci pour la retranscription des discussions. Juste un commentaire, le CR est très long parce qu'il n'y avait pas eu de conseil municipal au mois de janvier, donc on en a traité deux en un. Il n'y a pas eu de conseil municipal en mars non plus. Donc on se retrouve encore aujourd'hui avec un ordre du jour très chargé. Il y a 27 décisions, il y a beaucoup de demandes de subventions, on a beaucoup de documents à analyser. J'imagine que le conseil va durer longtemps ce soir. Est-ce que vous envisagez de revenir à un conseil municipal tous les mois ou est-ce que ça va être tous les deux mois comme on le voit depuis le début de l'année? Alors, vous voyez, depuis le début de l'année, ça fait trois mois, hein, depuis le début de l'année. Donc, en fait, on fait des conseils municipaux, on les programme effectivement tous les mois. On est une des seules communes à le faire, pour information. Puisque la plupart en font tous les deux ou trois mois, voire quatre mois. Donc, notre volonté, c'est effectivement d'en faire tous les mois. Par contre, effectivement, quand il n'y a que peu de décisions ou que peu de délibérations, on le reporte sur le mois d'après. D'accord. On verra. On a le
schéma départemental d'accueil des gens du voyage, le SMED. On a découvert, on n'avait pas reçu le règlement budgétaire et financier. Tout ça, ça demande, et on n'a que 5 jours pour analyser tout ça, donc ça demande beaucoup de travail, c'est notre responsabilité, pas de souci. Absolument. Mais ça veut dire également que les discussions vont être longues et que c'est, ce serait plus efficace si on avait traité ça sur 2 conseils municipaux plutôt que sur un seul. Après, il faut aussi se rendre compte que nous avons les services, on prend aussi les délibérations quand les services sont prêts également. Donc voilà, donc on les fait quand il faut et comme vous dites, c'est là notre responsabilité d'élu. Alors, ben, des fois, ça dure un peu, effectivement. Mais c'est comme tout. On s'adapte. On va passer au vote donc du compte rendu. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci beaucoup. Je vais à présent vous rendre compte des décisions prises en vertu de la délégation du Conseil municipal du 16 juillet 2020. Donc pour la numéro 2022-9, c'est la signature d'une convention avec le club Provence Tir pour la mise à disposition d'un stand de tir à Aix-en-Provence en vue de l'entraînement au tir des agents de la police municipale par un moniteur issu de l'administration. Le coût de cette prestation s'élève à 25 euros hors taxe par agent et par séance, munitions comprises. La 2022-10. Signature d'une convention de mise à disposition de locaux et de matériel à titre gratuit avec la société Étincelle afin d'y tenir une permanence pour accompagner les fuvelins et les fuvelaines dans leur recherche de projets professionnels. Cette permanence aura lieu tous les mardis matins de 9h à midi dans un bureau situé au service social. Cette convention est établie pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2022. La 2022-11. Suppression de la régie des recettes pour l'encaissement des photocopies de la commune à compter du 1er janvier 2022. La 2022-12, signature de la volume numéro 2 au marché adapté avec la société Colas France suite à des prestations en plus-value et en moins-value dans le cadre de la création de trottoirs et pistes cyclables sur la RD 46 entre le croisement du chemin des Vertus et le rond-point de l'Europe et pour la création d'une liaison piétonne de la galerie. Donc le CLO numéro 1, c'est la voirie, réseau, humide et signalisation. Et l'avenant numéro 2 est conclu pour un montant de 34 293,39 € hors taxe. Et se détaille comme suit, avec une tranche ferme, avec la création de trottoirs et pistes cyclables. Montant marché initial 315 792,45 €. Montant avenant numéro 2, 71 183,99 € hors taxe. Donc le montant total du marché, 386 976,44 € hors taxe. La tranche optionnelle numéro 1, c'est la création d'une liaison piétonne de la salle polyvalente de la galerie à la RD 46B. Le montant du marché initial est de 129 325,86 € hors taxe. Le montant de l'avenant numéro 2 est négatif, donc pour 36 890,60 €. Donc le montant total du marché est de 92 435,26 € hors taxe. La 2022-13, signature d'un contrat de service. BLESBL Connect, échange sécurisé, Chorus, Portail Pro et Acte, avec la société Berger Lopo pour un montant annuel de 1797,71 € hors taxe. La 2022-14, c'est l'encaissement de la somme de 660 € versée par Cham Assurance au titre d'indemnisation suite à la dégradation par un véhicule de mobilier urbain à la ZAC Jean-Charles survenue le 9 juillet 2021. La 2022-15, signature de l'avenant numéro 2 au marché adapté avec les sociétés SMED, Jolisol et TCF ayant pour objet la prolongation du délai d'exécution du marché de l'extension et la rénovation de la crèche des Moussaillons. Suite à des problèmes rencontrés en cours de chantier, la réception n'avait pu être acceptée au 16 décembre 2021. Selon l'avenant numéro 1, aussi le délai global a été porté à 16 mois et 16 jours, soit au 20 janvier 2022. La 2022-16, signature de l'avenant numéro 3 en marché adapté avec les sociétés ITCA, Provence, Menuiserie, Alliage et Concept Électrique ayant pour objet la prolongation du délai d'exécution du marché de l'extension et de la rénovation de la crèche Les Moussaillons, suite à des problèmes rencontrés au cours du chantier. La réception n'a pas pu être acceptée au 16 décembre 2021. Ainsi, le délai global a été porté à 16 mois et 16 jours, soit au 20 janvier 2022.
La 2022-17, sa désignation de maître Olivier Plurtès d'Oucède pour défendre la commune dans le contentieux engagé par M. Richard de Méo et autres, demandant l'annulation de l'arrêté de permis de construire modificatif numéro 013-049-L-0042-M02, délivré par le maire de la commune de Fuveaux le 2 juin 2021, M. Frédéric Hoc, pour la construction de logements collectifs et individuels sur un terrain situé au fond de Rumi et Masse. La 2022-18, signature de renouvellement de la convention de mise en place d'une fourrière automobile avec le garage Mavel. Cette convention prend effet à compter du 1er février 2022 pour une durée de 3 ans. La 2022-19, signature d'un contrat avec la société Logitude pour la maintenance de logiciels Canis et Municipal pour un montant annuel de 680,64 € hors taxe. Numéro 2022-20. Signature d'une convention d'études avec l'OPA dans le cadre de la construction du plan vélo sur la commune de Fuveaux. L'accompagnement de l'OPA s'articulera autour de 3 phases. La phase 1 étant le diagnostic stratégique, identifier l'adéquation entre l'offre et la demande de déplacement à vélo. La phase 2, la définition de la stratégie et des préconisations, donc aboutir à la validation d'un plan vélo qui traite l'ensemble de la thématique. La phase 3, c'est le programme d'action à mettre en place avec l'identification des partenaires, d'un budget estimatif et d'un échéancier. La commune versera à l'OPA au second semestre 2022 une subvention de 15 000 euros non soumise à la TVA et incluant la cotisation annuelle de 1 000 euros des communes adhérentes à l'OPA. La 2022-21, désignation de maître Olivier Burtès-Doucette pour défendre la commune dans le contentieux engagé par M. Joseph Espina, demandant l'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux du 29 septembre 2021 du maire de la commune de Fuveaux, intervenu le 30 novembre 2021. Ensemble, la décision de refus de permis de construire, numéro PC 013-040-21-L-0012 du 18 août 2021, prise par le maire de la commune de Fuveaux. La 2022-22, signature du contrat de location à usage de garage au lieu-dit du TUV avec Madame Elsa Védrine pour une durée de 6 ans, à compter du 1er mars 2022, moyennant un loyer mensuel de 93,17 €. La 2022-23, encaissement de la somme de 36 € versée par l'association Mistral Judo en contrepartie d'un badge d'accès supplémentaire remis à l'association. La 2022-24, désignation de M. Pilier Patrick, artisan pour la confection d'une cabane à dons dans le cadre du projet participatif 2021, retenu après concertation pour un montant de 2 970 €. La 2022-25, désignation de la société AASCO, AS Courtaison, pour une mission de coordination sécurité et protection de la santé dans le cadre de la requalification complète du chemin de Saint-François dans sa portion entre le parking Guérin-Martigui et l'ensemble du lotissement La Bégude pour un montant de 2 584 € hors taxe. La 2022-26, désignation de la société CTP Groupe Cadet pour une mission de contrôle technique construction dans le cadre de la requalification complète du chemin de Saint-François dans sa portion entre le parking Guérin-Marquis et l'entrée du lotissement La Bégude pour un montant de 4 348,65 € hors taxe. La 2022-27, c'est la signature d'une convention avec le CIA afin de faire bénéficier les enfants du canton participant au stage multisport et artistique pendant les vacances scolaires du 11 au 22 avril 2022 et du 24 octobre au 4 novembre 2022 de la cantine municipale moyennant un coût de 5 € repas. La 2022-28, c'est la signature d'une convention de mise à disposition d'un local communal situé avenue Maréchal Leclerc à titre gratuit avec l'association La Croix-Rouge française pour une durée de 6 ans à compter du 4 mars 2022. La 2022-29, c'est la même convention qui est faite avec l'association Le Secours Populaire Français pour une durée de 6 ans, toujours gratuitement, et à compter du 4 mars 2022. La 2022-30, c'est la même chose avec le même local, mais cette fois pour l'association des Restos du Cœur pour une durée de 6 ans à compter du 4 mars 2022, avec bien sûr une session à titre gratuit. 2022-31, encaissement de la somme de 1 982,40 € versée par Cher Assurance au titre d'indemnisation suite à la dégradation par un véhicule de mobilier urbain au parking Louise Michel survenu le 19 septembre 2021. La 2022-32, désignation du groupe SARL, agence Paysage Ingénierie Conseil, une BET Langlois, pour une mission de maîtrise d'œuvre dans le cadre des aménagements VRD, jeux et espaces verts de la cour de l'école de maternelle du 14 juillet pour un montant de 17 250 € hors taxe. La 2021-33,
signature d'une convention de partenariat 2022 avec le CPIE dans le cadre du dispositif commerce engagé. Le CPIE s'engage à accompagner les commerçants labellisés dans leur démarche éco-responsable, assurer un suivi individualisé des commerçants, mettre en place des actions exemplaires et innovantes avec les commerçants, développer la communication autour du label. La commune s'engage à verser au CPIE une contribution financière d'un montant de 4 200 €. C'est 21 commerces, donc c'est 200 € par commerce. Il y a la 2022-34, désignation de la société MB Consultant pour une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation d'une étude de faisabilité concernant le projet d'aménagement sur la commune, le centre ancien, la Fou et la Roucaude, suite à des demandes émanant d'administrés, de riverains et de CIQ. Le montant de cette mission s'élève à 5 800 € hors taxe. La 2022-35, c'est la désignation du Collège coopératif Provence-Alpes-Méditerranée pour la réalisation de l'analyse des besoins sociaux de la commune. Cette analyse s'organise en 3 phases. Production d'un diagnostic partagé, définition des orientations à donner à l'intervention sociale locale et présentation des résultats de l'analyse des besoins sociaux pour un montant de 10 720 € hors taxe. 2022-36, signature du contrat de location à usage du garage au levier du Cuve avec M. Corbeil pour une durée de 6 ans à compter du 1er avril 2022, moyennant un loyer mensuel de 93,17 €. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Je vous en prie. C'est à propos de la société Étincelle. En fait, je voulais savoir, parce qu'en fait, c'est une société qui fait du coaching, je voulais savoir pourquoi cette société plutôt qu'une autre, et est-ce qu'elle fait des prestations particulières, parce que j'ai regardé un peu ce qu'elle faisait, ça m'a l'air intéressant, mais sur Fugro, il y a d'autres sociétés, enfin, d'autres intervenants qui font la même chose, donc je voulais savoir pourquoi c'était elle qui avait des locaux gratuits, et peut-être pas forcément d'autres. Voilà, c'était une question, est-ce que ça voulait dire qu'elle fait des prestations moins chères pour une partie de la population, ou est-ce qu'elle a une convention avec le CCAS, je ne sais pas. Voilà. Merci. Voilà, me voilà. Bien sûr. Alors, juste en fait, le moment où Étincelles sont venus vers nous, on a appelé quand même ADKS aussi qui font la même chose, voilà, pour dire nous ça nous intéresse pour nos fuves là. Et la personne responsable de ADKS, elle m'a dit en fait moi je préfère laisser mes brochures et je reste là où je suis. Donc forcément c'était ouvert à tout le monde et voilà. Donc on a quand même contacté. Je ne pouvais pas valider Étincelles comme ça sans demander aux autres. Merci. Voilà, de rien. Oui, c'est des prestations payantes. C'est des prestations qu'elle fait pour les gens. Non, non, c'est gratuit. Elle se rémunère sur, sur le compte de formation. C'est ça. Ah, non, non, c'est gratuit. Le Fuvelin ne paye rien. C'est une prestation gratuite pour nous. Une question sur la 2022-12. Déjà pour comprendre la raison de la plus-value sur, sur la piste cyclable, les 71 000, et puis de la même manière la moins-value, je ne sais pas comment il faut l'appeler, sur, le, sur le, la liaison piétonne à la galerie. Donc, au niveau de la piste cyclable, effectivement, on a eu la plus-value par rapport aux exigences du conseil départemental, puisqu'on est sur le domaine du conseil départemental. Dans le souvenir, dans le dessin d'origine, il y avait un mur de, on appelle ça un MVL, un muret de, pour véhicules légers, qui était juste en séparation des voies. Donc il a été demandé un MVL beaucoup plus important avec une barrière de sécurité pour les vélos. Hein. Et de l'autre côté, quand on est côté Grand Vala, là aussi on nous avait demandé de protection pour qu'il n'y ait pas de chute. Hein. Voilà. Donc ça c'est aussi quelque chose qui n'était pas prévu au départ. Voilà. Ensuite, dans la réalisation des tranchées, il a été posé des fourreaux supplémentaires pour la vidéosurveillance,
qui sont amenés jusqu'au rond-point de l'Europe. Voilà. Ça avait été une demande de la police municipale à l'époque. Voilà. Et pour ce qui est de la, du moins-value sur le cheminement galerie, c'est qu'on on avait imaginé faire un cheminement galerie qui passait sur le fond d'Esprit, c'est-à-dire qui traversait avec un aménagement piétonnier le fond du Valin. Et ça, ça avait été refusé par l'agence de l'eau, notamment le SABA. Donc on a réduit en fait la longueur du cheminement piéton. Et pourquoi ces deux travaux n'ont rien en commun? Pourquoi est-ce qu'ils étaient dans le même appel d'offres à l'origine? Parce qu'on avait groupé le marché, c'est tout. C'était des liaisons douces, donc on avait mis ça dans un même marché, même si les lieux géographiques n'étaient pas au même endroit. La 2022-15. Donc là, c'est apparemment la fin des travaux de la crèche des Moussaillons. Voilà. Vous aviez dit que vous nous feriez une fiche de synthèse pour savoir un peu combien ça avait coûté. On voulait savoir un peu en été cette fiche. Tu peux répondre? Vas-y. Donc, on a encore des avenants qui nous sont proposés. Donc, on doit réceptionner, on va dire, dans 15 jours, une fois qu'on se sera positionné par rapport aux avenants demandés. Donc, lors du prochain conseil municipal, on vous fournira cette fiche une fois que vraiment les travaux seront réceptionnés, les réserves levées et qu'on n'aura plus de surprises. Il y a encore des réserves parce qu'en fait, il y a eu des ruptures de matériaux aussi. On attend certains matériaux. C'est du détail, hein, c'est des hublots, des joints de dilatation, des choses comme ça. D'accord. Mais bon, voilà. Ouais. Okay. Merci de la clôture. Concernant la 28-29-30, bon, visiblement, les restaurateurs sont ravis de leur nouvel aménagement. Juste par curiosité, que devient l'ancien local? L'ancien local, on va certainement le transformer en local à carton, pour faire un lieu de stockage pour les cartons. Qu'est-ce que vous appelez un local à carton? C'est pour les avant de pour les commerçants, c'est ça? Notamment pour les cartons qui ont été utilisés pour. C'est ça. Exactement, et les emmener ensuite à la déchetterie. Les retrouver dans les poubelles, dans la voiture ménagère. Ah oui. Si vous n'avez pas d'autres questions, passe au. Ah, excusez-moi. Sur la 33. En fait, le dispositif commerce engagé, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui se poursuit. Absolument. Voilà. Ça fait un petit moment. Donc, mais maintenant, ce qui est nouveau, c'est que c'est payant maintenant. D'accord. Est-ce que vous aviez fait un bilan un peu de ce qui s'était passé avec la CPIE depuis le début de travail des commerces engagés? On en fait régulièrement. Oui, c'est d'accord. Tout à fait. Vous avez des écrits qu'on peut regarder ou Absolument. On a un bilan annuel qui nous est communiqué. D'accord, donc on peut venir le consulter en ligne. Pas de problème. Non, ça va. Ok, merci. Sur la 35, il y a eu la désignation du collège coopératif pour effectuer le diagnostic social. Il me semble avoir vu sur un compte rendu du CCS, il y avait une autre structure, ITA, qui avait été désignée. Est-ce que, je ne sais pas, il y a eu un changement? Est-ce que c'est lié à quoi ce... Il y a un changement parce que l'ITA a postulé, a été retenu, et puis ensuite ils nous ont dit qu'ils n'étaient pas en mesure, au niveau de leur cahier des charges, à le faire avant le mois de novembre 2022. Et donc on leur a dit non, c'est pas possible, parce que ça faisait déjà un moment qu'on attendait. Donc on a changé de structure et on est passé avec celle-là qui a démarré. Voilà. D'accord. On voudra voir la proposition du collège coopératif. Oui, bien sûr. Ouais. D'accord. Merci. Sur la 34. Vous mentionnez des projets d'aménagement sur la commune. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Oui, ben, lors de nos visites de quartier, vous savez qu'on fait des visites de quartier tous les mois, et donc les habitants nous font remonter des problématiques qu'ils rencontrent au quotidien. Ça fait souvent soit d'incohérences, soit de besoins exprimés pour améliorer leur cadre de vie. Donc la commune a décidé de missionner un AMO pour étudier ces petits aménagements, les dessiner, les chiffrer avant la prise de décision et avant de les présenter aux administrés. D'accord. Ce sont des choses qui, les besoins sont identifiés au moment de ces visites de quartier. Absolument. Ça fait l'objet d'un compte rendu, d'une discussion avec les... Absolument. Et vous avez ces comptes rendus? Ah oui, on les a, les comptes rendus de toutes les réunions de quartier. On les a d'ailleurs, tous les administrés qui sont conviés et qui se déplacent aux réunions de quartier ont également tous les comptes rendus, puisqu'on échange sur le sujet. Alors, j'ai pas de chance parce que j'ai pas eu celle des vieux quartiers avec lesquels j'ai participé. C'est étonnant. Mais d'accord. Et M. Darbeau non plus, visiblement. Vous aviez donné votre mail au moment où Laurence les a demandés? Non, mais je vais vérifier, on a ouais, un groupe. On va le vérifier. Parce que, si vous n'avez pas donné de mail, c'est sûr que forcément vous n'avez pas les comptes rendus. C'est bon, je crois. Vous avez fait le tour? Alors on va passer à la présentation. C'est une information sur le Conseil municipal des jeunes que va nous présenter Marielle. C'est sympa. Qui c'est qui a touché? Là aussi. Hein? C'est une présentation partielle. Vous avez que le. Ah, mais sinon, je vais faire un sondage. C'est le conseil municipal des jeunes. Non. Travail sur la terre. Là, ça me plaît pas. Ah, c'est zoomé, c'est pour ça. C'est zoomé. Trop fort, Daniel, regarde. Tu crois que c'est. Ouais, non, Daniel. Ouais. C'est vrai, t'es trop fort, Daniel. On va le faire, ce truc, il y a fou, du coup. Bonsoir. Donc, comme nous l'avions évoqué lors de la présentation du Conseil municipal des jeunes, on souhaitait vous faire un retour donc, au Conseil municipal concernant donc, ce qui a été mis en place, les actions et à quoi ils ont participé, etc. Donc, je vais essayer de faire succinct pour... Alors, on s'est réunis en plénière, la première fois c'était au mois d'octobre, pour déterminer donc, les différents groupes de travail, donc le cadre de vie et solidarité, environnement, communication et loisirs. À la suite de ça, donc, on se réunit avec des adultes encadrants et les enfants qui ont choisi donc, de participer à telle ou telle commission. Donc là, on vous restitue donc, leurs idées, ce qui a été validé notamment en séance plénière, la dernière séance plénière. Donc pour la commission environnement et la participation au mois de l'eau avec le nettoyage du Valat. Donc ça, c'est une action qui a été faite donc, dans le cadre du mois de l'eau, il me semble que c'était le 26 mars. Après fabriquer des contenants avec des matériaux recyclés, agir pour les animaux sauvages en rencontrant le CCFF. Donc une rencontre du CCFF est prévue à la prochaine commission de travail.
créé un stand CMJ qui participerait aux différentes fêtes organisées par la municipalité. Donc ils veulent aussi contribuer à la conception de nouveaux jardins partagés, identifier les boîtes Amigo avec une information. Donc ça, c'est dans le cadre de ce qu'on va mettre en place, les espèces de cendriers qu'on va mettre en place, mais ils voudraient faire une signalétique et une explication un peu plus pédagogique. Dire combien de temps voilà ils veulent aller combien de temps les Migos ah, sont avec des phrases de choc etc des messages ensuite donc pour la commission donc cadre de vie et solidarité donc au départ on avait fait donc deux commissions une cadre de vie et solidarité et finalement on a décidé de fusionner cette commission parce que d'enfants dans chacune des commissions et finalement ben, ça match super bien donc on est resté comme ça. Alors eux ils veulent participer à la commission du menu donc on va dire dans les faits c'est un peu compliqué parce que la commission des menus se déroule sur le temps scolaire. Donc on a convenu avec le service enfance, que ce serait le service enfance qui viendrait lors des commissions pour justement étudier les menus, essayer de recenser les attentes, etc. Collecter les déchets de la cantine pour faire du compost. Organiser une journée de ramassage déchets, donc ça c'est une action, c'est la même action que pour la commission environnement. Récupérer les vêtements laissés dans les écoles et les mettre à la vente lors du forum des associations. Créer des pistes cyclables, donc là ils veulent participer au plan vélo, être acteur du plan vélo. Améliorer le respect et la sécurité sur la pump track et le skatepark, donc là il y a une rencontre qui va se faire de la prochaine commission avec la police municipale, avec la chef de la police municipale, pour leur expliquer donc la règle, ce qui est possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire en termes d'affichage, de signalétique, etc. Et élargir le choix des livres à la bibliothèque. Donc là, ils veulent créer ils veulent en fait revisiter. Il y a déjà un cahier de suggestions qui existe. Ils veulent revisiter le cahier de suggestions pour qu'il soit un peu plus lisible. Après la commission loisirs. Donc agrandir le bike park dans les Plannes. Proposer du cinéma en plein air. Aider au développement de la partie loisirs des classes découvertes. Donc là on est vraiment sur le côté, on va dire, pédagogie et éducation nationale. Donc on va entrer en contact avec les enseignants. Proposer des trottinettes électriques pour transport ou pour jouer. Améliorer le respect et la sécurité sur la fun track et le skatepark. Et augmenter l'offre de séjours des colonies de vacances. Enfin, en fait, ce qu'ils appellent colonies de vacances, sur les séjours été ou les séjours hiver. Et enfin, la communication. Donc, ils veulent faire des affiches donc, ou un journal qui soit diffusé donc, dans les écoles primaires, collèges, et faire aussi un journal numérique, donc un peu qui recense toutes les actions de tous les groupes du Conseil municipal des jeunes. Ils veulent faire des reportages, des interviews en vidéo. Ils veulent continuer à alimenter le site et les réseaux de la mairie avec les actions du CMJ. Donc ça, on essaie en fait de le faire en... un peu en direct, quoi, le jour où il y a les commissions de travail. Proposer d'informer sur toutes les actions du CMJ dans le journal municipal. Pour rappel, ils ont une page qui leur est dédiée. Donc, ils ont déterminé la charte graphique, les couleurs. Bon, là, j'ai respecté. Donc, les bulles, ce sont les couleurs qu'ils ont choisies par groupe. Ils auront à chaque fois une page pour s'exprimer. Et après, créer un compte TikTok mairie. Donc, ça, ce sont en fait toutes les actions qu'ils ont. Ont décidé de mettre en place. Oui. Juste faire une précision. Oui. Vous m'entendez bien? Oui. Parmi certaines actions, puisque vous savez, vous allez voir, on n'a pas fait beaucoup de réunions encore, certaines ne verront peut-être pas le jour, mais c'est le travail qui va se passer dans les prochaines commissions. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre pour argent comptant tout ça. Et c'est le travail qu'on va faire avec eux, le travail pédagogique, de voir ce qui est possible, ce qui est de notre ressort, ce qui ne l'est pas, combien ça coûte, quelles sont les contraintes, quels sont les avantages, etc. Donc là, on est parti de leur émergence de représentation, de leurs idées, de leurs envies. Il y a eu un vote démocratique, ça a été ensuite validé, mais ce qui a été validé, c'est qu'on travaille de manière plus approfondie sur ces propositions. Et après, un petit retour sur les différentes manifestations auxquelles ils ont participé, donc les commémorations, l'inauguration de la chapelle Saint-Jean de Mélissane,
ensuite l'hommage à l'Ukraine. Les élections présidentielles, ils sont venus pour dépouiller, donc ils étaient un peu répartis dans tous les bureaux. Il y a eu 3 commissions de travail en tout, un conseil d'installation et 2 séances plénières. Donc là, depuis le mois d'octobre, c'est un peu le compte-rendu de tout ce qu'ils ont fait, toutes les actions. Voilà. Si vous avez des questions... Bon, bah déjà, merci pour ce retour. Je trouve ce format vraiment très intéressant. Ça aurait pu être super d'avoir aussi des commissions, peut-être une prochaine fois, que ce soit eux qui viennent présenter. Donc, bon, on verra si. Parce que là, en fait, hier soir, ils étaient là un peu tard pour dépouiller. Leur reprise, c'était aujourd'hui. Donc, on ne les a pas invités à venir ce soir. Ça faisait un peu trop. Mais. Ça serait bien quand il y a un conseil municipal qui tombe notamment pendant les vacances, ils sont là. Ce serait plus facile, je pense. Une très bonne idée, en effet. Ouais. J'aime bien, en effet, cette idée de... Là, c'est le champ des possibles. On ouvre, tout est possible. Vous avez commencé un peu à répondre, M. Mikulis, à la suite. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus? Donc, ça va être chiffré, ça va être. Donc, vous pouvez nous donner un peu là, voilà, les prochaines étapes, comment ça va se passer en. Voilà. En première. Oui. Alors, c'est toi qui coûte cher. En fait, le fonctionnement va être différent en fonction des commissions. Il ne va pas y avoir le même fonctionnement pour la commission communication, par exemple, que pour la commission loisirs. Et même, je vais vous parler un peu plus précisément de la commission loisirs, puisque c'est celle que je vis. Mme Yobé en vit une autre, elle pourrait aussi nous donner son fonctionnement. Sur la commission loisirs, pour l'instant, les jeunes se sont positionnés sur des idées, sur des propositions qu'ils ont envie d'étudier dès maintenant. Ils ont aussi, et on n'a pas mis nous dans les comptes rendus, ils ont aussi mis de côté certaines propositions sur lesquelles ils avaient besoin de plus d'informations et ils ont besoin d'y voir plus clair avant de se prononcer. Ça n'a pas été proposé à la plénière. Donc, en fait, il y a différents temps. Et effectivement, à nous, accompagnants, et puis au service lorsqu'il y en a besoin, que ce soit la police municipale, le service enfance, lorsqu'il y a des questionnements, ou des personnes extérieures, on ne s'est jamais interdit dans le règlement intérieur, on l'a noté d'ailleurs, de faire appel à des personnes de ressources s'il y a besoin, à nous de répondre à ces sollicitations, à ces questions, pour qu'ils puissent enrichir leur démarche et leurs propositions. Mais déjà, dans les groupes, dans les commissions, les échanges sont assez riches. Vous imaginez bien que quand on a dit de quoi vous auriez envie, la liste et les tableaux étaient vite remplis, mais ils ont réussi à se réguler, ils ont réussi à faire preuve d'argument pour en sélectionner, en tout cas pour la commission loisirs, ce qui a été sélectionné, ça a été validé à l'unanimité dans le groupe. Donc ça, et il y a quand même des points, un certain nombre de points. Donc ça, c'est une bonne chose. Ensuite, comme on l'avait vécu lors de la petite préparation sur le fonctionnement des groupes, on n'a pas non plus une vision complètement carrée de comment ça doit se passer. Parce que si on s'enferme dans cette vision-là, dans notre vision mood adulte et de création de projet, quelque part, on leur laisse plus la main. Et le but, c'est quand même de les accompagner, de leur laisser un minimum la main. Bien évidemment, il y aura des contraintes, que ce soit ne serait-ce que budgétaire, mais ça, on verra après. On ne veut pas que ces contraintes soient là au départ et qu'elles soient posées d'emblée pour des jeunes et que ça crée de la frustration. Donc, on va voir où ça va nous mener. On va voir au fil des études et des réflexions avec les commissions ce qu'il advient de ces propositions, si elles sont possibles ou pas, si elles sont légales ou pas, parce que pour l'instant, on est aussi sur des propositions. Certaines ne le seront peut-être pas. Et puis voilà, on se laisse vivre avec le groupe et non pas on veut faire vivre le groupe. Ce que je trouve, c'est que ils ont des tonnes d'idées. Je pense que c'est important pour eux aussi de prendre la mesure de chaque projet. On a essayé de travailler avec eux sur les projets à court terme, à moyen terme, à long terme. On a essayé aussi
parce qu'ils disent oh, on va faire ci, on va faire là. Bon, il faut aussi se mobiliser. Qu'est-ce que ça veut dire que de se mobiliser? Qu'est-ce que ça veut dire que d'être bénévole? Enfin, je pense que c'est tout un travail qui est, et comme on les voit quand même une fois par mois, pas plus, quoi. Je veux dire, c'est il faut, le truc est bon, c'est un peu long et je trouve que c'est ça mature. Non, c'est vrai que c'est important sur des projets comme ça pour que la motivation reste là, d'avoir des petites victoires rapides pour pouvoir en créer pour que le projet. Ça, en fait, on a essayé, quand on s'est vu et quand on communique entre nous, on a essayé de poser donc court terme, moyen terme et le long terme. Donc à partir de là, c'est vrai que ça donne un peu le cadre et après on leur a demandé aussi de hiérarchiser. Donc hiérarchiser, c'est très difficile aussi, hein, parce que ben, ce qui est vraiment, ce qu'ils veulent vraiment, un peu moins, ou alors un peu plus tard, etc. Donc ça, on leur a aussi demandé. Et on leur a demandé aussi de faire diffuser l'information. Ils ont pris des infos auprès de tous leurs collègues et leurs congénères dans les écoles, dans notre collège. C'était ça aussi qui était important, c'est qu'ils ne soient pas tout seuls dans la ville à décider. Il fallait qu'ils expliquent aux autres. Et peut-être une dernière question, là on voit le résultat, donc la fin, peut-être un petit mot plus qualitatif sur est-ce que la motivation est là, les enfants, vous réussissez à avoir tout le monde, ça se passe bien, voilà, peut-être un petit mot de conclusion là-dessus. Ouais. Ben, là, il y a tout un travail aussi d'animation en fait, de groupe par mail que j'essaie de... On essaie de faire assez régulièrement, notamment pour les convocations, pour les invités, pour quand il y a un article dans la presse qui paraît, donc on envoie l'article, etc. Donc ça, on essaie de faire ça. Après, on a lancé un petit vote aussi par rapport à la commission environnement. Ils voulaient des oriflammes. Pour animer des stands, etc. Donc ça, on leur a proposé plusieurs oriflammes. Donc bon, ils ont choisi, ils ont en commande. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui se passent en dehors en fait des groupes de travail. Mais après, c'est vrai que là, pour les commémorations, c'est jamais les mêmes qui viennent. Donc c'est vrai qu'ils viennent plus... Quand ils peuvent, voilà, donc il n'y a pas d'obligation. On leur dit, quand il y a des petites commémorations, on dit voilà, bon, là c'est la petite commémoration. Comme, par exemple, pour le 8 mai, on dit bon, là ça va être la grosse commémoration, comme justement le 11 novembre. Donc on essaie quand même d'orienter comme ça. Et on les a invités aussi pour dépouiller. Et là, ils ont répondu présent avec leurs parents et ils sont venus vraiment sur tous les bureaux. Quoi. On a eu, après, je ne sais pas, bureau 4, on n'en a pas tous. On n'a pas eu. Vous n'avez pas eu. Au 6, enfin, au 1. On a eu le bureau de Marielle. Oh, ouais. 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 Ça les a tous pris. Oui, je devais avoir rien, c'est vrai, pas ouais. Au 3, ils étaient 7 ou 8. Ouais. Voilà, au 3, et c'est vrai que ça fait tout de suite beaucoup de public, et bon, c'est. Non, ils répondent présents pour le moment, on n'a pas de baisse. En tout cas, à chaque fois qu'on a des absents, c'est des absents qui sont excusés. On a eu pas mal de cas Covid et à chaque fois, on a eu des... Voilà, ah oui, la commission de janvier, elle a été et sympa. Donc, à chaque fois, ça a été justifié. C'est, ça aussi, la commission de janvier, on attend en visio. Oui, tu étais là. Nous, on était en visio, mais... Sinon, il y a une action aussi qui a été menée, mais alors ils sont pris au jeu immédiatement. Hein. C'est la période de Noël, quand on a évoqué pour les enfants malades, tout ça, enfin, tout ce qui était un petit peu en retrait des fêtes de Noël. Et donc, on a parlé de faire des dessins, ils se sont pris au jeu, ils ont tous fait des dessins. Ils ont été envoyés dans. C'est Marielle qui l'a fait dans les hôpitaux. Voilà, ça a été. Mais alors, vraiment, ils étaient très contents. Mais, on avait même débordé sur l'heure. Même le nettoyage du Valar, ça s'est très bien passé. Ils sont passés au jeu. Et c'est vrai que, en plus, bon, c'est le futur, on va dire, bénévole adulte. Et on se rend compte que ce qui se passe au niveau des adultes, c'est vrai que finalement, dans les associations bénévoles, etc., bon, on retrouve plus ou moins toujours les mêmes. Ben pour les enfants, c'est exactement la même chose. Donc, il y en a certains qui sont scouts, qui font partie du CMJ, qui font partie des éco-délégués. En fait, ben on les retrouve à chaque fois
Ouais, on retrouve beaucoup d'enfants qui sont dans plusieurs associations. Voilà. Bon, en tout cas, c'est bien. C'est bête. Enfin, c'est vraiment ça. Merci. Merci beaucoup. Alors, on passe à une autre information du conseil municipal. C'est la protection sociale des agents de la commune. Depuis 2012, les employeurs publics territoriaux peuvent participer à l'acquisition de garanties de la protection sociale complémentaire, que sont l'assurance mutuelle santé, pour financer les frais de soins en complément ou à défaut, selon les cas, des remboursements de l'assurance maladie. L'assurance prévoyance maintien de salaire pour couvrir la perte de salaire en cas de placement en congé pour raison de santé, suite à maladie et accident de la vie privée, et mise en retraite pour invalidité. Aujourd'hui, l'ordonnance numéro 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique renforce ce dispositif, notamment en rendant la participation de l'employeur obligatoire à compter du 1er janvier 2025 pour la garantie prévoyance et du 1er janvier 2026 pour la garantie santé. Donc l'ordonnance prévoit également l'organisation d'un débat en assemblée délibérante sur les garanties de la protection accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire. Il vous est donc proposé d'acter la tenue du débat sur les orientations offertes par l'ordonnance suscitée. Pour information, évidemment, on a déjà présenté aux agents lors du dernier comité technique ces informations et nous les avons informés qu'on voulait travailler bien en amont de 2025 et 2026 pour pouvoir travailler avec eux et co-construire et mettre en place cela de manière efficace et qui leur corresponde. Voilà. Donc les obligations, elles sont pour 2025 ou 2026. Absolument. Aujourd'hui, quel est l'état est-ce qu'il y a déjà une participation de la commune assez, Pas du tout. D'accord. Pas pour le moment. D'accord. Et qu'est-ce qui a été discuté donc en comité technique? Il y a des idées qui ont été échangées ou c'est juste pour l'instant Oui, c'est des, on a commencé déjà à en discuter avec en comité technique du personnel. Avec eux, et puis on va le co-construire maintenant avec eux également. Donc c'était pour information et puis pour qu'on travaille tous ensemble dessus. D'accord. Et il y a deux, l'ordonnance propose deux solutions. Il y a une première solution qui consiste à imposer entre guillemets un même prestataire pour tous les employés. Et il y a une autre solution qui consiste à avoir un bouquet de prestataires qui sont labellisés et les agents peuvent choisir. Vous avez déjà des idées sur ce que vous allez privilégier? Ben non, puisqu'on va co-construire avec eux, donc pour l'instant, on n'émet pas d'idées particulières. D'accord. On va le travailler ensemble. D'accord. Donc, il y a un calendrier de co-construction. Oui, c'est ça. Absolument. Et l'objectif est de lancer l'appel ou d'appliquer la loi et d'attendre le 1er janvier 2025 et 2026? On va voir ensemble. D'accord. Du coup, quel est l'objet de ce soir? C'est la loi. En fait, on est obligé de vous le présenter et vous dire qu'on va y travailler. Voilà le débat. Après, si vous voulez qu'on en débatte, on peut en débattre, mais on est obligé de le passer en conseil. Donc on le fait. Oui, je comprends. Pour le coup, je me demandais si c'était pas prématuré de présenter aujourd'hui en conseil si on... Ah ben alors là, vous décevez, monsieur Deville. Moi, à chaque fois, vous me dites qu'on parle pas d'une feuille blanche, on parle de la feuille blanche, vous me dites que c'est trop tôt. Alors là, je ne sais plus comment faire avec vous. Mais si vous voulez, je vous présenterai le projet ficelé, puis vous me direz que c'était trop tard. C'est pas tout à fait ça. Effectivement, enfin, là, vous, est jointe avec quelques indications, parce que ce que vient de présenter, mais vous, vos orientations vont faire quel type, enfin vous évoquez effectivement la possibilité de discuter avec le personnel. Mais votre souhait serait d'aller dans quelle direction par rapport aux différentes propositions quels sont pour vous les avantages et les inconvénients de chacune de ces propositions? Moi, je veux aller dans la direction dans laquelle on va se retrouver avec les agents. Voilà. Je veux simplement que les agents s'y retrouvent, comprennent bien
l'importance des deux possibilités, parce qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux, bien évidemment, comme à chaque fois. Et il faut qu'on prenne le temps. C'est pour ça qu'on veut le faire très en amont, pour ne pas le faire assez rapidement et beaucoup trop rapidement, parce que je pense que c'est extrêmement important et qu'ils ont la chance aujourd'hui de pouvoir choisir entre les deux solutions. Et je trouve que c'est important. Donc on va voir avec les deux. C'est pour ça que je ne veux surtout pas sursoir à la décision que l'on prendra tous ensemble. Et c'est le comité technique paritaire qui prendra la décision, ou vous envisagez une consultation éventuellement des agents territoriaux? Bien sûr, on va les consulter. Bien sûr, comme on l'avait fait d'ailleurs pour les tickets restaurants, par exemple. On a refait là, quand on a augmenté les tickets restaurants, on les consulte. On ne consulte pas que le CDP, on consulte également les agents, bien sûr. Merci. Ma question a le mérite de vous faire un certain nombre de points qui n'était pas paru très clair à l'exposé de. Mais on n'a jamais rien inventé de mieux que la communication verbale. Une dernière question. Aujourd'hui, les agents, est-ce qu'on sait s'ils ont tous, donc ils la financent eux-mêmes, est-ce qu'ils ont une mutuelle santé et une prévoyance, ou est-ce que certains sont en carence de ces prestations? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas à l'heure d'aujourd'hui. Si on se base sur un panel de sociétés, je pense que tout le monde n'a malheureusement pas de mutuelle. Tout le monde n'a malheureusement pas les moyens. Donc j'imagine, je suppute que tout le monde ne l'a pas, mais à l'heure d'aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre de manière certaine puisque je n'ai pas l'information. Donc nous attendons tous ensemble que nous avons tenu un débat limité, je vous l'accorde complètement, mais on est conforme aux exigences de la loi. On passe donc aux affaires générales, au 2.1, avec le schéma départemental pour l'accueil et l'habitat des gens du voyage 2021-2026. C'est donc un avis qu'on vous demande du conseil municipal. Je vous fais grâce de l'ensemble de la délibération que vous avez sous les yeux. Et je me tiens à votre disposition pour l'évoquer. Globalement, il n'y a rien qui change pour nous et pour chez vous, puisqu'on a la chance d'avoir à l'heure d'aujourd'hui une aire des gens du voyage. Donc on vous demande d'approuver le schéma départemental pour l'accueil et l'habitat des gens du voyage pour 2021-2026. Juste, on a posé la question. Bon, il est très complet, hein, ce schéma, on va dire. Et il semble que la participation de la commune soit facultative. Est-ce que la commune s'implique particulièrement, par exemple, pour l'école, puisque bon, il y a obligation d'être scolarisé, donc je crois qu'ils vont à Chuvaux, ils vont à l'école de la Barque. Est-ce qu'il y a un dispositif particulier ou une attention particulière sur cette population-là? Alors à la Barque, bien sûr, ils sont effectivement pris en charge par l'école de la Barque et ça se passe plutôt très bien. À chaque fois qu'il y a des sujets, Johan est tout à fait à disposition pour y répondre. Il n'y a sincèrement pas souvent de sujets, ça se passe plutôt très très bien. Donc voilà, et pour ma part et pour celle de la police municipale, on a régulièrement des contacts, notamment avec le gérant de l'aire des gens du voyage. On prend régulièrement contact pour échanger. Oui, bien sûr, au niveau social, tu as raison. Voilà, pardon, au niveau social, en fait, on est toujours en communication avec l'assistante sociale qui est en permanence là-bas. On a déjà visité, j'ai déjà visité deux fois, en fait, en fait, voilà, la moindre problème, elle m'informe et on échange par rapport aux personnes accueillies sur place, en fait. Voilà. Pardon. J'ai regardé, en effet, dans les fiches actions, là, les 11 fiches actions proposées à la fin, et il y en a une notamment qui implique les communes. Alors, vous avez commencé à y réfléchir, mais là, c'est un point plus spécifique.
c'est développer des modules d'accompagnement aux devoirs. Vous avez parlé donc de l'intégration à l'école de la Barthe. Est-ce que cette partie-là, on fait quelque chose de particulier sur FUVO, sur cette aide aux devoirs, ou c'est non, pas là-bas, non. Où on y réfléchit Yoann, tu as eu des demandes par rapport à ça? Sur cette communauté-là, on n'a pas eu de demandes. On a eu des demandes par rapport au hameau de Brogilom, mais on a mis en place une aide aux devoirs. Ça se passe très très bien d'ailleurs. Mais par contre, au niveau de la légende du voyage, on n'a pas eu de sollicitations à ce sujet. Ça tourne quand même beaucoup. Hein. Ouais. C'est ça. Oui, oui. Vas-y, je t'en prie. Il faut savoir que le turnover, la rotation des familles qui sont accueillies à l'école et qui sont scolarisées tourne beaucoup. Vous savez, il y a une limite de temps sur l'aire d'accueil sur la barque, mais elle n'est pas toujours menée à terme. C'est-à-dire qu'il nous est arrivé souvent d'accueillir des enfants, de les scolariser une semaine, et puis on repartait de les radier. Ce qui explique peut-être le fait qu'il n'y ait pas de demande. Mais Rola a raison de préciser qu'il y a l'assistante sociale sur place qui fait un gros travail, et j'imagine qu'elle pallie aussi un petit peu des fois à ce rôle-là, et qu'elle aide un petit peu, donc du coup on n'a pas de demande des familles. Mais je vous confirme encore que la relation avec les familles et plus important encore, la relation entre les enfants se passe très bien. C'est pas avec les enfants de l'aire d'accueil des voyages que l'on a le plus de problèmes. Voilà. Il faut qu'on y ait, que ça soit dit. Important de le dire. Voilà. S'il y a des problèmes, c'est à égalité avec les autres. Voilà. Ça peut arriver, des différents dans une école, ça arrive dans toutes les écoles et c'est pas spécifique aux enfants du voyage. Deux questions également. La première, c'est sur le gestionnaire, c'est à l'OTRA. Oui. C'est une délégation de services publics, c'est ça, c'est une compétence métropolitaine avec une délégation de services publics. Est-ce qu'il y a un rapport annuel du gestionnaire, comme on en a par exemple sur la gestion de l'eau? C'est une obligation non, pour les DSP. C'est ça, ils le font à la métropole du coup, puisque c'est une compétence métropolitaine. D'accord. Et c'est donc la DSP, c'est la métropole qui la délivre. Et comment est-ce qu'on a accès à ces rapports? Sur le site de la métropole, certainement. J'imagine que ce doit être public. Je vais regarder ça. L'autre question, c'est sur l'aire d'accueil qui est située sur la commune de FUVO. Elle couvre à la fois les obligations réglementaires de la commune de FUVO et de la commune de Mireuil. Oui. Quel est l'accord avec Mireuil? Comment ça fonctionne? Il y a une participation financière de la commune de Mireuil versée à FUVO, ou comment c'est géré? Non, il n'y a aucune... Il n'y a pas de reversement financier de Mireuil et FUVO. Hein. C'est métropolitain. Il faut sortir du schéma communal. C'est vraiment sur du métropolitain. Donc il n'y a pas de reversion financière. D'ailleurs, nous, on n'a pas de dépenses spécifiques. Du coup, il n'y a pas de reversement, mais nous avons fait un choix aussi politique. Vous savez que la commune fait une dotation par élève scolarisé en début d'année dans chaque école pour le fonctionnement et ce qu'on rachetait des manuels ou du matériel scolaire. Sur les enfants des gens du voyage, c'est plus compliqué puisqu'on ne le sait pas à l'avance. Donc ce qui se passe, et on le vote tous les ans au budget supplémentaire, c'est on demande à la directrice combien d'enfants ont été accueillis, on fait un ratio parce qu'ils ne sont pas accueillis toute l'année, et on met une somme OBS par enfant accueilli, parce que justement quand ils arrivent, ils n'ont pas toujours le matériel nécessaire ou adéquat ou adapté au niveau de classe dans lequel ils sont. Et donc on met une somme OBS. Donc nous mettons, je crois que c'est 11 euros par enfant qui sont effectivement accueillis. Alors des fois c'est en retard, mais n'empêche qu'il y a cette volonté-là et il y a cette contribution financière. Pour les écoles spécifiquement, pas sûr. Merci. S'il n'y a plus de questions, on va pouvoir passer au vote. Qui est contre ?
qui s'abstient. Merci beaucoup. Alors, le 2.2 concerne la désignation d'un nouveau représentant de la commune au conseil d'administration du Centre communal d'action sociale. Donc, vous savez que par délibération du 16 juillet 2020, on a désigné par élection à la représentation proportionnelle au scrutin de liste une liste de personnes d'élus au CCAS. Suite à la démission donc, de Mme Martine Aubé au sein du CCAS, il convient aujourd'hui de désigner un autre représentant, donc bien entendu qui fait partie de la minorité. Je vous propose qu'on fasse à main levée, à moins que vous préfériez qu'on fasse un bulletin secret. Non ? Donc si vous en êtes d'accord, on va le faire à main levée. Et donc il est proposé à l'Assemblée délibérante de désigner Mme Anidier comme représentante de la commune au sein du CCAS et d'autoriser donc Mme le maire à signer tout document nécessaire. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci beaucoup. Bienvenue, Annie, dans le CCS de la commune. Et merci à Martine pour son travail. La 2.3, ça concerne l'adhésion au groupement de commandes porté par le SMED pour l'achat d'énergie, de travaux, fournitures et services en matière d'efficacité d'exploitation énergétique. Je laisse la parole à Daniel. Voilà, donc cette délibération, c'est une délibération de principe. Hein. Donc la commune de Fureau, au regard de ses besoins propres, avait l'intérêt d'adhérer au groupement SMED d'achat d'énergie, hein, étant précisé que la commune sera systématiquement amenée à confirmer son engagement à l'occasion du lancement de chaque marché d'achat, soit de gaz naturel ou d'électricité, et ou d'électricité, pour ces différents points de livraison d'énergie. Donc, au vu des éléments, la proposition qui est faite à l'Assemblée délibérante, c'est de décider de l'adhésion de la commune de Fureau au groupement qui a été constitué par le SMED pour l'acheminement et la fourniture d'électricité ou de gaz naturel, des besoins de travaux de fourniture et de services en matière d'efficacité énergétique, d'approuver la convention constitutive du groupement de commandes jointes à l'annexe à la présente délibération. Cette décision va à la signature de la convention constitutive par Madame le maire pour le compte de la commune des notifications de la présente délibération aux membres pilotes du département. De prendre acte que le syndicat ou par défaut le coordonnateur demeure l'interlocuteur privilégié de la commune pour la préparation de l'exécution des marchés relatifs du dit groupement d'achat, d'autoriser ce représentant du coordonnateur à signer les marchés accords cadres et marchés subséquents issus du groupement de commandes pour le compte de la commune de Fureau, et ce sans distinction de procédure. D'autoriser Madame le maire à valider les sites de consommation engagés pour chaque marché ultérieur, de s'engager à régler les sommes dues aux titulaires des marchés de fourniture d'énergie retenus par le groupement de commandes et à inscrire préalablement dans son budget. Et enfin, d'habiliter le coordonnateur à solliciter en tant que de besoin auprès des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel et d'électricité ainsi que les fournisseurs d'énergie l'ensemble des informations relatives aux différents points de livraison de la commune. Merci. Quelques questions sur le fonctionnement du SMED. Donc, tout à fait. La commune de Fureau bénéficie des achats groupés du SMED 13 depuis longtemps. Oui. Au moins 3 ans, oui. Au moins 3 ans. Et quel est le retour d'expérience jusqu'à cette année, ça se passait très bien, sauf que les demandes d'augmentation des tarifs ont explosé. Hein, par rapport à la situation mondiale, par rapport à l'augmentation des coûts d'énergie, par rapport à l'augmentation aussi de la taxe carbone qui est passée de 30 euros à 80 euros la tonne, tout ça fait que le mégawatt qui était vendu 42 euros, hein,
approché fin d'année 2021, but de 211. Donc il était indispensable de renégocier à travers un spécialiste et un groupement, hein, puisque nous ne sommes pas le seul dans ce groupement, je crois qu'il y a 55 ou 70 communes qui participent, hein, qui engagent une négociation avec la CRE et les fournisseurs d'énergie pour obtenir en fait des tarifs au moins, on va dire, stables sur l'année 2022. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'on avait reçu en début d'année faisait état que, par rapport à nos abonnements, faisait un état d'une augmentation pour le lot 1. Alors le lot 1, c'est un contrat qui est spécifique au bâtiment, ils appellent ça le C5, proposait une hausse quand même de 127,23%. Pour le lot 1, C5 éclairage public proposait une augmentation de 71,34%. Et pour le lot 2, C2 à C4, c'est aussi du bâtiment tertiaire, hein, une hausse de 92,84%. Donc vous voyez un petit peu, notamment pour ceux qui avaient établi leur budget, les communes qui avaient établi leur budget, bon. Cette situation met en porte-à-faux, on double, voire certains endroits, on double, triple même les factures d'énergie. Voilà. Donc aujourd'hui, au niveau du gouvernement, il a été mis en place une dotation supplémentaire par rapport à la dotation de base du nucléaire, hein, qui est portée de 100 TWh à l'année. Elle a été augmentée de 20 TWh, ce qui nous garantit quand même un prix de TWh. C'est voiture. C'est voiture. Voilà. C'est voiture. Voilà. C'est le côté de l'arrivée. Je ne sais plus où j'en étais là. Donc, qui en fait calme le prix de l'énergie avec ces 20 TWh à 46 euros le mégawatt. Voilà. Ensuite, on a la possibilité effectivement d'aller sur le marché, on va dire, de l'instantané. Donc parfois on est gagnant, mais depuis les courbes depuis l'année dernière, bon, montrent qu'on arrive à des prix instantanés à 500 euros au lieu de 46, quoi, le mégawattheure. Voilà. Donc j'essaie de vous résumer le plus simple possible, parce qu'il y a des formules de notre monde là, mais bon, pour donc, ce sont des contrats de 3 ans, c'est ça, qui sont ensuite, dont les tarifs sont indexés sur les cours diverses et variées. Tout à fait, exactement. Alors, c'est pour 3 ans. Et donc là, l'idée, c'est de renouveler de 2023 à 2025. Voilà, 2023-2025. Nécessairement, les coûts augmentent, ça c'est clair. Bon, reste à la charge quand même de la commune tout ce qui est frais fixes d'abonnement à des compteurs. D'accord. Ça, c'est uniquement la fourniture d'énergie. Et il y a une cotisation, j'imagine, au SMET 13. Tout à fait. Ouais. Et c'est une cotisation qui est vendue. Mais c'est justement la formule alambiquée. Là, que... Elle est ouais, non, mais c'est aux alentours des 1000 euros. Ouais, à peu près. D'accord. Ouais, c'est ça. D'accord. Et donc, si on oublie la crise actuelle, la crise énergétique actuelle, si on revient il y a 3 ans en arrière, quand on est passé d'une gestion par la commune à une gestion des appels d'offres par le SMED, après, on y avait vu à l'époque un intérêt, un avantage financier. Et de stabilité aussi, l'écoute. Il n'est pas intéressant. En fait, on peut se projeter un peu plus, quoi. Quand on sait ce qu'on va payer. Après, il y a effectivement toute l'action qui est portée sur l'économie d'énergie, les appareils qui consomment moins, enfin, tout ça vient en compensation. Mais, donc ça c'est la partie travaux, c'est ça? C'est la partie travaux inclus dans le périmètre du fait. C'est inclus dans vous parlez d'économie d'énergie, ça peut inclure également des enfouissements de lignes électriques. Ça alors le SMED, tout à fait, est concessionnaire des réseaux électriques. Hein. C'est pas la commune, hein, c'est le SMED qui est... Quand on rentre au SMED,
la partie, ce qui est la partie réseau électrique qui est normalement gérée par la commune, elle est transférée donc au service mix d'électrification départementale. Et à ce titre-là, le SMED a un bureau d'études qui peut gérer directement des travaux d'enfouissement ou d'esthétique pour le compte des communes. Sachant toujours que les travaux de renforcement des réseaux, quand il y a besoin, là c'est directement la charge des indices. Hein. C'est le distributeur, lui, en fait le transporteur d'énergie, qui va décider si une artère est faible par rapport aux habitations nouvelles ou tout ce qu'on peut imaginer. C'est directement le... C'est une coupure, tiens. C'est ici. C'est on n'a pas fini la famille. Donc ce bureau d'études intervient pour le côté esthétique, en fait. Il ne s'occupe pas du renforcement de la réseau. D'accord. Est-ce qu'on a des besoins actuellement sur la commune de Fugue en travaux, et particulièrement puisqu'on en parle dans l'enfouissement des lignes électriques? On utiliserait ce groupement là pour dans les trois années Alors là on utilise le SMED quand on fait les travaux de voirie, tout à fait. Donc soit on passe par leur bureau d'études directement, soit on fait une demande de TTMO et c'est nous qui prenons les charges avec la validation du SMED. D'accord. Est-ce qu'il y a du... transfert temporaire de maîtriseur. Oui, maîtriseur. Oui, TTMO. Oui, transfert temporaire de maîtriseur. Oui, du gaz, bah, des contrats de gaz également à la commune. Pardon, excusez-moi. Est-ce qu'on a du gaz également? Oui, bien sûr. On a un contrat de gaz? Oui, oui. Pour quelle utilisation que... Il y a le gymnase Fond de Remy, il y a l'école Arthur Rimbaud, il y a maintenant l'école du 14 juillet, ouais. Et il y a... qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, on a 4 ou 5... et l'école élémentaire Ouvière. Oui. Il y aura une partie de la bassine Vitalis. Une dernière question pour ma part. Le préambule de la convention, elle parle de transition énergétique et écologique. Quand on parle de transition écologique, est-ce qu'il y a des actions particulières, financement ou travaux liés à du photovoltaïque, éventuellement isolation des bâtiments publics, photovoltaïque sur les toits, etc. Est-ce qu'il y a des projets dans ce sens directement par le SMED, non? Mais par contre, pour des renforcements, oui, ils peuvent nous aider à ce titre-là. Mais il n'y a pas de... le SMED ne construit pas de centrale photovoltaïque, on n'est pas maître d'œuvre dans ce type d'installation. D'accord. Donc quand on parle de travaux, je ne comprends pas, en fait, quand on parle de travaux, où est-ce qu'il commence et où est-ce qu'il s'arrête? C'est essentiellement la mise en discrétion des réseaux. Voilà. Je ne voudrais pas qu'il y ait confusion. Effectivement, tout à l'heure, vous avez parlé de travaux. Les travaux de maîtrise d'énergie de nos bâtiments, le passage à LED, l'isolation, etc. Tout ça, c'est à la charge et aux compétences de la commune. Hein, voilà. Le SMED, il ne s'occupe pas du tout que ça. Il y a le groupement uniquement d'achat pour la fourniture d'électricité ou la fourniture de gaz. C'est tout. Hein, voilà. D'accord. Parce que là, la convention, elle parle de fourniture, acheminement d'énergie, mais elle parle de travaux, fourniture et services en matière d'efficacité et d'exploitation énergétique. Oui, parce que c'est la mission du SMED. Hein. Voilà. En fait, le SMED, quand il a été créé, il a été créé pour ça, mais aussi pour aider les communes à mettre en discrétion leur réseau. D'accord. Voilà. Mettre en discrétion sur l'enfouissement. Et la même chose pour tout ce qui est télécom aussi. Hein. Parce que le SMED peut participer aussi à l'enfouissement des lignes orange aujourd'hui. D'accord. Si vous voulez bien, on passe. Une toute petite question sur la fin. Je ne comprends pas dans la délibération la phrase autoriser Madame le maire à valider les sites de consommation engagés pour chaque marché ultérieur. Je ne réussis pas à comprendre
En fait, si vous voulez tout simplement, dans le marché, la commune peut décider d'y mettre l'ensemble de ses compteurs, pour vous le faire simple, ou pas. Ou une partie de ses compteurs. Par exemple, les gros, les 36 kVA, ou que les petits, etc. On peut morceler. Voilà. C'est pour ça qu'on se positionnera au vu de ce qu'ils vont proposer. C'est plus clair comme ça. Merci. Donc on passe au vote, si vous voulez bien. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci beaucoup. On passe donc au côté financier et c'est Sandra Vasperini qui va nous parler des subventions aux associations. Le dossier de demande de subvention à compléter par les associations qui souhaitent obtenir un financement de la commune a été revu, ajusté et complété pour que les services instructeurs et les élus disposent de plus d'éléments d'appréciation sur le contenu des activités exercées par l'association et sur l'objet de leur demande de financement. Six associations ont à ce jour déposé un dossier valide de demande de subvention. Ces dossiers ont été instruits et font l'objet de propositions de subvention suivantes. Alors, on a l'association CréArt qui souhaite, pour laquelle on a donc octroyé, on propose 800 euros. Le tennis club de Fuveau, 2000 euros. La société de pêche, 100 euros. L'arc Vitae, l'État, 200 euros. Les anciens combattants, 500 euros. Et le comité des fêtes, 15 000 euros, soit un total de 18 600 euros. Il est proposé à l'Assemblée délibérante d'octroyer une subvention de fonctionnement sur l'exercice 2022 aux associations selon les montants dont je viens de vous donner et d'autoriser Madame le maire à signer tout document nécessaire. Vous avez des questions ? Monsieur Rato. Oui, bonsoir. Bonsoir. En fait, c'est sur le comité des fêtes. Ouais. J'aimerais avoir un peu des précisions parce qu'il y a 15 000 euros et il y a l'association du comité Saint-Jean qui a repris des fêtes. Non. Donc, qu'avait le comité. Les feux de la Saint-Jean. Avant, c'était le comité des fêtes qui s'en occupait. Maintenant, c'est le feu de la Saint-Jean. C'est l'association, en fait. C'est le comité Saint-Éloi. Saint-Éloi, pardon, excusez-moi. Et donc, ils ont repris ça. Il y avait aussi la fête de la barque. La Sainte-Rosalie, qui était aussi de base au comité des fêtes, qui a été repris par l'association de la barque. Et je voulais savoir un peu s'il y a eu des reversions, du coup, au comité Saint-Jean, s'il y a eu... Saint-Éloi, pardon. À Saint-Éloi, s'il y a des reversions, puisque du coup ils ont la même somme pour faire que le 14 juillet, et savoir s'ils ils reprennent du coup la Sainte-Rosalie et la barque. Alors, le comité des fêtes ne s'occupe pas du tout de. En fait, dans leur proposition de programme pour l'année à venir, ils n'ont absolument pas mentionner la Saint-Rosalie à la barque, ça c'est sûr. Le comité Saint-Éloi, eux, ça fait déjà plusieurs années qu'ils ont, si je me trompe, donc le comité Saint-Éloi a déjà depuis plusieurs années le feu de la Saint-Jean, la cavalcade, plusieurs événements, mais après, effectivement, le comité des fêtes, dans la demande de subvention qui a été mentionnée, ils ont proposé plusieurs manifestations, pas uniquement sur le 14 juillet. Ils ont proposé marché nocturne cet été, ils ont proposé les greniers, ils ont proposé le loto. Le loto en extérieur, ils ont proposé. Oui, concours de boules, oui. Mais voilà. De quoi, effectivement, augmenter leurs recettes. Et. Donc en fait, ils ont des recettes du coup qui viennent en plus de la mairie, c'est ça ? C'est ça. Comme toutes les autres associations d'ailleurs du village. D'accord. Ils ne vivent pas que des subventions de la mairie. Donc toutes les autres associations font en sorte d'augmenter leurs recettes pour
minimum financer leur fonctionnement. Et du coup, la Sainte Rosalie, vous la reprenez pas. Ils la reprennent pas. Non, absolument. Enfin, on les a reçus, quand on les a reçus en entretien, ils n'ont pas du tout mentionné la Sainte Rosalie. D'accord, ça, hein, je pense qu'on ne leur a pas proposé non plus. Mais je crois que même pas ça leur est venu à l'esprit, je pense pas. Je ne sais même pas s'ils sont au courant. Oui, je pense que oui, parce que du coup, il n'y a plus personne en fait, de l'ancien comité des fêtes, je pense. Voilà. Oui, ça fait deux ans que le président n'est pas le même, donc peut-être qu'il n'est même pas au courant, je pense. Parce que du coup, il n'y a plus de fête du tout à la barque. Oui, ouais, je sais bien. Ouais. Déjà, il y en avait une. Tout à fait, ouais. Mais cela dit, on leur fera remonter. Non, on leur fera remonter, bien sûr. Dans tous les cas, on pourra toujours leur proposer. Pourquoi pas ? Ouais. Et ouais. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu un problème déjà sur quand il y a eu les spectateurs, mais il y avait un problème, on va dire, de logistique par rapport aux boules, tout ça, enfin un seul terrain pour organiser. Pour organiser, ouais, c'était un peu compliqué. Et tant qu'il n'y aura pas vraiment un espace défini, il n'y aura jamais. Enfin, dans le village, il n'y a pas plus d'espace défini. Hein, les associations qui souhaitent organiser des événements font une demande d'occupation du domaine public et... Oui, mais vous avez la place, vous avez quand même beaucoup d'endroits où vous pouvez mettre à la barque, c'est... par les boules, l'espace des boules, sinon il y a... C'est sûr, c'est plus restreint. Je pense que ça peut être négociable avec le président de la boule barque, il n'y a aucun problème avec ça. Parce qu'il prête déjà le mois prochain ou en fin du mois. À l'entraide, les après-midi, pour faire un repas et un concours de boules. Donc je pense que si même le comité des fêtes s'y prend bien en amont, ils pourront avoir, ils pourront bien avoir les terrains aussi. Je ne pense pas qu'il y ait de problème du tout avec ça. Oui, surtout que oui, il y a un local qui va être construit, qui va être une salle polyvalente plutôt, qui va donc être destinée un peu à rehausser tout ça. Donc oui, je pense que ça serait bien de refaire quelque chose, peut-être sur un... Mais après, s'il y a les locaux mais que personne n'organise, ouais, ça sera le même. C'est les bénévoles qui font des gens bien. Il faut que... Oui, est-ce que en échange de cette subvention qui est importante, et d'après ce que je comprends, le comité des fêtes organisait la Sainte Rosalie à une époque, finance la Sainte Rosalie et maintenant ils ont plus ce financement-là, est-ce que la commune ne pourrait pas demander au comité des fêtes d'assurer des manifestations, que ce soit la Sainte Rosalie ou une autre, s'assurer qu'il va y avoir des manifestations sur le hameau de la barque? Oui. De manière à faire vivre la barque comme il faut vivre tout à fait, oui, on peut leur proposer effectivement de faire vivre aussi ce hameau. Oui, peut-être. Alors, ils ont un gros souci quand même, ce comité des fêtes, hein, puisque... Oui. Ils sont un peu seuls et du coup, ils ont beaucoup de mal à recruter, Donc, c'est un peu problématique pour eux. Après, si notre association veut, pourquoi pas, reprendre la... les festivités sur la barque, on peut aussi imaginer de mutualiser plusieurs idées, enfin plusieurs associations pour faire c'est vivre. C'est ce qui s'était passé d'ailleurs. Oui. Avant, il y avait une association qui avait récupéré la Sainte Rosalie aussi, donc c'est pour ça aussi que le comité des fêtes n'organisait plus la Sainte Rosalie. Et cette association, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, peut-être que vous pouvez nous dire, Madame Surato. C'était scindé en deux associations puisqu'on a arrêté le comité des fêtes. Donc j'ai repris l'association de la barque puisque j'habitais à la barque. Et après, manque de bénévoles. Voilà, et manque de temps aussi. J'ai clôturé l'association, mais je l'avais dit à la mairie, hein, puisqu'à l'époque, j'avais informé la mairie que l'association s'arrêtait. Et c'est pour ça que je demandais, vu que de base, tout était regroupé,
avec Jean-Baptiste, c'est nous qu'on avait repris l'association, on avait refait vivre la Sainte-Rosalie qui était déjà instaurée avant, qui était une grosse fête, puisque j'ai discuté avec des barqués, il y avait les chasseurs, tout ça, c'était... Voilà, oui, c'était... On parle d'un temps que les moins de 20 ans. Voilà, c'est sûr, voilà. C'était pas les chasseurs, on faisait même pas de trappe, c'est tout. Voilà, c'est dommage, ouais, hein, parce que du coup, avant, il y avait déjà... Les pigeons, pourquoi vous jouez ? C'est nous qu'on a recréé la Sainte-Rosalie. Voilà. Donc voilà, c'était... Non, mais tu as raison, c'est un vrai sujet. Ouais, c'est peut-être comme il y a de nouveau, c'est vrai que ça s'agrandit, ça commence à se structurer. La barque, c'est un peu, ça va être un peu plus un hameau qu'une route passante comme ça l'est maintenant. Et en discutant, on va dire, avec les nouveaux habitants, ça va permettre, d'échanges. Voilà, d'échanges et voilà, et au niveau de l'école aussi, peut-être voilà de faire un. Bien sûr. Quelque chose, s'il y a un terrain qui est un peu plus, un peu mieux pour accueillir les enfants, tout ça, enfin, qu'il y ait une école qui soit un peu plus présente. Peut-être que ça, voilà, ça motivera des, voilà, des gens, mais bon, c'est vrai que il faut quand même pas oublier la barque. Malgré que c'est compliqué. Voilà. Ah ben c'est compliqué, mais justement, il faut encore plus les aider. Tout à fait. Merci beaucoup. Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Donc là, on a une délibération pour une demande d'une aide au développement de la pratique culturelle et artistique auprès du Conseil départemental au titre de l'année 2022. C'est ton arrêt? Ouais. Je m'installe. Donc, c'est une demande de subvention auprès du département concernant donc, l'équipement de l'école de musique, du mobilier informatique pour la bibliothèque, de l'immobilier d'informatique pour la bibliothèque, des travaux dans le bâtiment, du matériel pour l'équipement de salles d'animation culturelle. Donc, en détail, pour l'école de musique, ça sera piano numérique, des tabourets, des câbles, baffles, percussions, sièges de batterie, etc. Mobilier et informatique de la bibliothèque sont des bacs, notamment pour remplacer des étagères aussi. Un poste qui sera dévolu donc, au public. Ensuite, il y a du matériel, donc... pour un vidéoprojecteur là, pour la galerie, un podium, des câbles, voilà, des choses comme ça. Et pour la saison, est-ce qu'il y a d'autres? Voilà, c'est tout. C'est déjà pas mal, oui. Oui, bon, je suis pas allée dans le détail, hein, donc il y a beaucoup de choses. Il y a des tables qui ont été aussi changées dans la salle 8, en haut de la salle de la formation musicale. Donc les tables sur roulettes qui seront aussi qui se plient. Enfin, pas qui se plient, qui se. Je pense qu'ils sont pas bon, voilà. Si on a compris. Elles font comme ça. Elles font comme ça. Voilà. Elles se basculent, voilà. Très bien. Donc, il est proposé à l'Assemblée délibérante de solliciter auprès du Conseil départemental cette aide financière. Donc 60%, donc on a sollicité l'aide financière la plus haute au titre du développement de la pratique culturelle et artistique pour l'exercice 2022 et d'autoriser Madame le maire à signer les documents nécessaires. Si vous n'avez pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Ensuite, c'est pareil, c'est une aide à la programmation culturelle auprès du département au titre de l'année 2022. Oui, alors là, c'est pour la programmation culturelle. Donc, voilà, vous voyez les principales dépenses. Donc, on sollicite une aide
Programmation à hauteur de 40%, donc 27 311,05 €. Et vous avez un peu de détail derrière. Ce que vous avez joint derrière, c'est le projet. C'est une partie du projet, oui. Ça a permis de demander la subvention. Voilà, c'est ça. On a une ex. Oui, oui, c'est tous les ans qu'on demande. Oui, c'est ce qu'on demande pour l'aide à la programmation de la saison culturelle. Donc, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver la demande d'aide financière auprès du Conseil départemental et d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents nécessaires. Oui. Juste sur les montants, je vois un plan financement qui est supérieur au poste de dépenses. Il ne faudrait pas que le département pense qu'on cherche à faire du bénéfice sur leur dos. Est-ce que c'est... Non, c'est parce qu'en fait, on a valorisé dans le plan de financement des... La métropole, vous voyez, par exemple, c'est des spectacles qui sont mis à disposition de la commune de Fuveau. C'est la valeur des spectacles que la métropole met à notre disposition. Donc, ils ont cette valeur-là. Voilà. Donc, ils seraient aussi, normalement, en dépense, mais couverts par ces... C'est ça, exactement. Et pour Provence en Seine, c'est la même chose. D'accord. Donc, ça fait les 14 000 d'écart, okay, voilà, à la fois la dépense et les recettes. Et on n'a pas de recettes de guichetterie Très peu, et là, sur autant vous dire que sur 2020-2021, c'était pas terrible. Donc, environ, on tourne à peu près à 3 000 euros par an. Est-ce que dans le plan de financement, il ne faudrait pas qu'on les présente Ben, là, ça fait partie, en fait, des 40, enfin, non, de la commune, des 40% de la part de la commune. Voilà, donc, c'est tellement aléatoire, donc, notamment ces deux dernières années. Mais on tournait à peu près aux alentours de 3 000 euros par an. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Voilà, on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci beaucoup. Ensuite, c'est encore une demande d'aide financière auprès du Conseil départemental au titre de l'année 2022. C'est pour la dernière tranche du contrat pluriannuel. Pardon, excusez-moi, en fait c'est pas le changement. Il est rappelé à l'Assemblée que la commune de Fuveau a signé un contrat de développement et d'aménagement avec le conseil départemental afin de financer les projets d'investissement. La dernière tranche, afin de finaliser ce dossier d'investissement, c'est le chemin de Saint-François. Ce dossier prend du retard. Et il a été discuté avec le conseil départemental afin de faire basculer les financements qui étaient prévus pour le chemin de Saint-François sur essentiellement la base Vitalis afin de pouvoir clôturer au plus tôt ce plan de financement et d'en engager un autre après. Voilà, donc c'est pour ça que par rapport au tableau qui était fourni, on récupère le montant qui était prévu pour le chemin de Saint-François, avec en plus 2-3 fins de financement pour maximiser, on va dire, l'enveloppe de financement proposée par le Conseil départemental. Il est donc proposé à l'Assemblée délibérante de solliciter le financement à hauteur de 55% pour un montant de 1 183 172 € hors taxes dans le cadre du contrat de développement et d'aménagement avec le conseil départemental exercice 2022 dernière tranche et d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Avant de parler du contrat pluriannuel, une question sur le retard des travaux au chemin Saint-François. Ils sont dus à quoi ? Donc les retards, c'est retard sans être du retard, puisqu'on a dit qu'on attendait quand même que tout soit livré.
pour que les chantiers en cours ne dégradent pas après la voirie nouvelle, quoi. Et ensuite, on a aussi tout un tas d'échanges avec les CIQ qui changent, avec des domaines nouvelles aussi. Et donc, on adapte les projets en fonction de ça aussi. Voilà. D'accord, donc c'est les retards sur les différents chantiers qui retardent le chantier sur l'ensemble. Et également, les nouvelles réglementations aussi, notamment par rapport au mois d'août. Aujourd'hui, on a l'obligation, dès qu'on touche à une requalification importante de la voirie, on a l'obligation de prendre en compte les mois d'août, tous les mois d'août. D'accord. Et ce retard, on sait le chiffrer, on a une idée de quand les travaux de voirie vont commencer, je m'en souviens. Alors, quand les travaux de voirie vont commencer, je ne sais pas, mais là, on est sur la phase finale quand même du projet. Hein, voilà. Donc après, il y a le lancement, il y a le financement, et puis il y a le lancement du DCE. Le voilà. DCE, c'est le dossier de consultation des entreprises. Sachant qu'il y a déjà un bureau d'études qui est missionné là-dessus. Et pour finaliser donc, ce plan auprès du département, il faut que les travaux soient finis, que les travaux soient payés et que la subvention soit reçue. Donc on est à une échéance, ou plutôt un an et demi. C'est pour ça que l'idée, c'était de faire basculer ça sur la base Vitalis, qui sera finie dans les temps beaucoup plus raisonnables, ce qui nous permettra d'engager derrière un autre plan de financement pour le département. Merci. Deux petites questions plus techniques. Là, on termine en fait de consommer en 2022 des subventions qui nous étaient allouées sur 17, 18, 19. Donc je comprends, les projets ont pu s'étaler. Est-ce que ça veut dire qu'on a potentiellement perdu des subventions 20, 21, 22 ou bien est-ce que c'est dans la discussion maintenant pour le nouveau plan, ça va être pris en compte, qu'on a étalé sur plus longtemps les subventions, donc on a peut-être un crédit plus important pour les années à venir? Comment ça marche, ces discussions avec le département? Oui, vas-y. Comme vous l'a dit M. Desailles, le plus important pour nous est de finaliser ce contrat, puisque le département a été clair, il ne négociera pas avec la commune de Fulvaux de nouveaux contrats tant que celui-là n'est pas achevé. Donc nous avons tous intérêt à le clôturer au plus tôt. Après, est-ce qu'on a perdu des financements? Je ne pense pas, on peut essayer de le chiffrer. Pourquoi? Parce qu'on a essayé de mobiliser, et vous le voyez là, tous les autres financements possibles. Pour d'autres opérations, tous les petits travaux de proximité, tous les autres dispositifs, et surtout, ils nous ont quand même donné la possibilité pour les travaux les plus importants en termes de montant, d'utiliser un dispositif qui s'appelle le FDAL, et qu'il nous autorise à financer, enfin à utiliser plutôt en même temps que le contrat, alors qu'en principe, ils nous disent c'est ou le contrat ou le FDAL. Voilà. Et par contre, comme Madame le maire les a rencontrés et leur a parlé des grosses opérations à venir, comme l'école de la barque, comme le pôle culturel, c'est, on va dire, les plus emblématiques, il faut impérativement qu'on arrive à négocier un nouveau contrat. On va essayer d'en conserver, on va dire, l'enveloppe, puisque là, en gros, c'était dans les 10 millions d'euros, quoi, voilà. Et en termes de taux de financement, bon, ils nous ont dit qu'on était aujourd'hui à un taux élevé, on est à 55%. On va tout faire pour essayer de le conserver, mais ça va être dur, parce qu'eux aussi nous disent qu'ils ont quand même des difficultés financières. Voilà. C'est clair, merci. Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Ensuite, c'est une demande d'une aide financière du FIPD, pardon, au titre de l'année 2022. Donc, le Code de la sécurité publique prévoit que les agents de police municipale peuvent procéder dans l'exercice de leur mission à l'enregistrement audiovisuel de leur intervention au moyen de caméras individuelles lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées. Donc l'emploi des caméras individuelles est soumis à l'autorisation du représentant de l'État dans le département et sur demande du maire. L'arrêté préfectoral vaut autorisation d'acquisition de mise en œuvre. Donc ces caméras sont destinées à prévenir des incidents, à constater les infractions et à poursuivre leurs auteurs et à informer les agents.
Les enregistrements doivent, sauf s'ils sont utilisés dans le cadre d'une enquête administrative, judiciaire ou disciplinaire, être effacés au bout d'un mois. Donc la commune envisage d'investir dans 3 caméras piétons de la marque Marc et Balsan pour un montant total de 1555,20 €. Cette somme a été inscrite au budget primitif 2022. Une subvention demandée au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance peut être allouée à la commune à hauteur de 200 € par caméra piéton. Il est donc demandé à l'Assemblée délibérante de solliciter auprès du FIPD une aide financière la plus élevée possible et d'autoriser les agents de police municipale à porter ces caméras piétons et enfin d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents nécessaires. Oui, alors en fait, je voulais savoir si c'était une demande de la police municipale, les caméras, ou si c'était une demande nationale. Non, pas du tout, c'est une demande du service. Du service ? Oui. Et vous savez pourquoi Pourquoi ? Parce que c'est déjà par rapport au retour d'expérience, justement, des autres polices municipales. Ça, les caméras piétons bah, permettent justement d'avoir une retranscription d'un échange qui pourrait être litigieux, qui arrive par moment. Et effectivement, le retour d'expérience des autres disent que, à partir du moment, parce qu'ils ont l'obligation, à partir du moment où ils vont activer leur caméra piéton, ils ont l'obligation d'en informer la personne qui est en face, hein, et de dire attention, j'active ma caméra piéton. Et de manière générale, en tout cas dans la plupart des cas, bizarrement, ça calme tout de suite et tout le monde. Alors c'est à la fois très pédagogique aussi pour le policier municipal qui pourrait aussi avoir des fois, on peut aussi perdre son calme, donc ça permet de le garder aussi. Et il y a l'éventuel auteur de méfaits. De savoir qui va être enregistré et que tout va être filmé. Voilà. D'accord. Et du coup, quels seront les besoins ? Parce que là, il n'y en a que 3. Oui, ça suffit. Bah, c'est-à-dire qu'ils sont en patrouille de 3. Deux ou 3. Donc c'est vrai qu'on n'en a commandé que 3 pour le moment. Après, si on voit qu'ils vont être 6 sur la voie publique, on en commandera 6. Mais enfin, à l'heure d'aujourd'hui, à FUVO, on n'est pas en obligation non plus d'en commander autant qu'on. Oui, il y en a une par groupe. On commence par 3. Pardon ? Il y en a une par groupe. Non, il y a chacun, en fait, si vous voulez, et quand ils sont en patrouille, ils sont maximum 3 en patrouille. Donc ils en auront chacun une. D'accord. Et donc les règles d'utilisation, c'est ça, c'est au bout d'un mois, en fait, les fichiers sont détruits. Exactement. Et les personnes sont informées. Oui, bien sûr. C'est extrêmement réglementé. Heureusement. D'accord, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci beaucoup. Donc ensuite, c'est encore une demande d'aide financière. Donc, c'est du département des Bouches-du-Rhône. C'est l'aide à la Provence verte. Donc, dans le cadre du programme Une essence, un arbre, la commune peut bénéficier d'une aide financière du département au titre du dispositif Aide à la Provence verte. Donc, c'est une aide qui est sollicitée en complément de celle qui est déjà déposée auprès de la région sud. Il est rappelé à l'Assemblée que le projet concerne exclusivement des zones situées dans le tissu urbain ou en périphérie immédiate, dans le but de contribuer à réduire les températures en zone urbaine par des plantations durables. Et les espèces plantées devront être locales, adaptées au climat méditerranéen, variées et ne nécessitant que peu d'arrosage, et les sites choisis au moins partiellement ouverts au public. Donc le coût estimé de cette opération s'élève à 53 290 € hors taxe, avec un financement à 32% de la région, 48% 25 772 € par le département et 10 658 soit 20% pour la commune. Donc il est donc proposé à l'Assemblée délibérante de solliciter auprès du département des Bouches-du-Rhône une subvention de 48%, soit 25 772 € au titre du dispositif Aide à la Provence verte, et d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents nécessaires.
Donc, qui est contre, qui s'abstient. Merci beaucoup. Ensuite, c'est le fameux DAL qui est demandé également au département. Donc, comme on en a discuté, le conseil départemental peut financer les projets communaux dans le cadre d'un dispositif dénommé Fonds départemental d'aide au développement local. La commune a décidé de le solliciter à ce titre pour le dossier d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le projet des pôles culturels. Le coût prévisionnel de cette mission s'élève à 112 400 euros hors taxes et le plan de financement serait de 50% par le FDAL, donc soit 56 200 euros. Il est donc proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver le plan de financement de cette opération, de solliciter l'aide financière du département au titre du dispositif Fonds départemental d'aide au développement local, exercice 2022, et d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents nécessaires. Pas de questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci beaucoup. Public encore, qui demande encore de l'argent. Demande de subvention auprès du département, toujours. Je n'ai pas dit qu'il avait besoin de subvention. Dispositif des petits travaux de proximité. Donc, le conseil départemental a décidé de reconduire en 2022 l'aide aux petits travaux de proximité dans le cadre de ces dispositifs d'aide aux communes, donc comme les années précédentes. Le taux de subvention sur ce dispositif est de 70% sur le coût hors taxe des travaux plafonnés à 85 000 euros hors taxe par projet, étant précisé que la part communale ne saurait être inférieure à 30% du montant hors taxe du projet. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à solliciter les subventions pour les trois opérations ci-dessous. Aménagement de locaux pour l'office de tourisme, une subvention escomptée de 45 575 euros. Réfection des toitures, mode de chauffage de bâtiments communaux, et subvention escomptée de 59 500 euros. Et enfin, des travaux de sécurisation routière, des chicanes, des plateaux ralentisseurs, des feux intelligents et des miroirs, tout ça suite au retour notamment de nos concitoyens lors des réunions de quartier, pour une subvention escomptée à 59 500 euros. Il est donc proposé à l'Assemblée délibérante de déposer, au titre du dispositif d'aide aux petits travaux de proximité sur l'exercice 2022, les dossiers dont je viens de parler, auprès du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, et d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents nécessaires. Des questions ? Alors voilà, je voulais en fait l'aménagement de locaux pour l'office du tourisme. Oui. Donc comme ils vont se déplacer en mairie, je voulais un peu savoir pourquoi est-ce qu'on demande autant d'argent. Ah ben parce que si vous voulez, on les déplace donc juste à l'entrée. Quand vous êtes à l'entrée de la mairie, donc vous allez à gauche pour aller à l'accueil. Et puis là c'est à droite. C'est tout le bas du bâtiment de droite qui va être dévolu à l'office de tourisme. Et bien entendu, ils auront une entrée séparée. Donc il faut faire déjà l'entrée séparée. Et avant, c'était des bureaux. Donc il faut aménager en office avec donc une banque d'accueil, avec toute l'accessibilité, des toilettes pour les personnes en situation de handicap. Et voilà, tout ce que vous pouvez imaginer pour réaménager trois bureaux auparavant en office de tourisme. Ok, merci. Voilà, je vous en prie. S'il n'y a plus d'autres questions, on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci beaucoup. Demande d'aide financière au titre du plan climat et énergie du conseil départemental. Alors, la commune de Fuveau souhaite bénéficier d'une aide financière du département au titre du plan climat, air, énergie territoriale. Il s'agit de toutes les dépenses qui contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la maîtrise de la dépense énergétique. Donc, peuvent être subventionnées des études pour la définition d'un plan de vélo qui a été confié à l'OPA, des diagnostics audits énergétiques de nos bâtiments communaux pour prioriser les travaux d'économie d'énergie à lancer. Au titre des acquisitions de véhicules et matériels peuvent être subventionnés, l'acquisition de deux vélos électriques pour la police municipale,
des acquisitions de dispositifs de stationnement vélo dans la ville, et enfin acquisition de matériel de haute performance énergétique, des éclairages publics intelligents commandés à distance, des éclairages à LED et des pilotages des réseaux d'arrosage. Le coût de l'ensemble de ces opérations est évalué à 127 500 euros hors taxes. Le taux de financement s'élève entre 20 et 60%. Il est donc demandé à l'Assemblée délibérante de solliciter une aide financière la plus élevée possible, 60%, au titre du plan climat air énergie auprès du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, et d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents nécessaires. Oui, Monsieur Sonnin. Alors, une question sur la forme, pas sur le fond. Comme on arrive à une des dernières, on a vu qu'il y a eu beaucoup de demandes de subventions. En fait, j'apprends au fur et à mesure des conseils, là, mais c'est vrai qu'on voit passer souvent de ces délibérations qui autorisent à solliciter une demande de subvention. En fait, on n'a pas la suite. Et on ne sait pas si elle est vraiment demandée ou pas, et surtout si finalement elle est accordée ou pas. Alors, elle est forcément dans le budget quelque part, donc si on avait le détail de tout, on le verrait. Mais c'est vrai, alors je ne sais pas, charger en travail administratif, mais est-ce qu'on aurait un moyen de savoir? Alors peut-être par exception, quand vous ne le demandez pas, ou quand on n'a pas la réponse, ou quand ça ne nous est pas accordé, est-ce qu'il y aurait un moyen de trouver un mécanisme pour nous tenir informés? Alors je réfléchissais en même temps que je pense que le plus simple, ce serait qu'effectivement, lors des grandes étapes budgétaires, dont là la prochaine c'est le budget supplémentaire, on fasse un état au niveau des recettes d'investissement. Et après au prochain budget, parce qu'en fait on est obligé, quand on a notification d'une subvention, de l'inscrire au budget, hein. On ne peut pas le faire avant, par contre. Donc là, tout ce qui est là pour le moment, c'est que du papier, c'est des demandes. Par contre, là par exemple, à la commission permanente du mois de février, le département nous a octroyé 4 petits travaux de proximité. Là, on vient d'en déposer 3 supplémentaires, dont les 4 au budget supplémentaire, vous allez les voir apparaître en recettes d'investissement. Et bon, peut-être c'est un petit peu plus les identifier, parce que c'est vrai que bon, ben, c'est noyé dans les lignes budgétaires. Quoi. Voilà. Mais c'est aux étapes budgétaires, voilà, vous dire, ben voilà, il y a telle subvention qui est rentrée du département, de la région, de ci, de là, etc. Voilà. C'est ça, dans les présentations qu'on fait, à chaque fois, il y a une ligne qui correspond aux recettes liées aux subventions. C'est vrai qu'on a tout à l'heure. C'est vrai que l'info là. Plus intéressant, c'est peut-être par exception celle où ça n'a pas marché, ou celle oui. Finalement on n'a pas demandé parce que bien on n'est pas rentré dans les clous, oui. Finalement ça n'a pas été accepté. Bon, on pourra. On le fera comme ça après. Ce qui est difficile pour nous, c'est qu'autant le département se réunit très souvent, mais donc en gros tous les mois ou tous les mois et demi, ils ont une commission permanente. La région, c'est 2 fois par an. Donc forcément, bon, mais voilà, on attend 6 mois quoi avant d'avoir une éventuelle réponse. Si vous n'avez pas d'autres questions, passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Allez, on laisse un peu tranquille le département et l'on demande une aide financière à la région. Alors, cette fois, ça concerne la consultation relative à la création d'un bâtiment dont on a parlé tout à l'heure, plurivalent, situé au cœur du hameau de la Barque, destiné à accueillir les activités et services suivants, donc en tranche ferme, une salle de réunion mutualisée, des locaux propres mis à disposition de l'association La Boule Barquaise, un local qui abriterait l'agence postale communale, un local bureau administratif d'environ 15 mètres carrés, un local de rangement et des sanitaires communs à tout le bâtiment. Ensuite, en tranche optionnelle, il a été demandé d'étudier sur site la possibilité d'avoir une parcelle réaliser une aire de jeu, pardon, pour les jeunes enfants en lieu et place de la buvette actuelle à supprimer. Donc le coût de l'opération est estimé à 600 000 euros hors taxe. Il est proposé à l'Assemblée délibérante de solliciter une subvention au titre de ce dispositif Fonds régional d'aménagement du territoire au taux maximum de 50%, la dépense subventionnable avec un plafond de 200 000 euros et d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents nécessaires. Pas de questions sur le sujet? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Ensuite, c'est la fixation des tarifs 2023 de la taxe locale sur la publicité extérieure. La reconduction de... C'est ça, je vais vous faire une grâce de tout vous lire.
Ce qu'il faut savoir, c'est que on a reconduit les montants, enfin les tarifs des années précédentes, je crois des années précédentes aussi, des années précédentes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a exonéré, on a continué à exonérer tout ce qui avait une superficie inférieure ou égale à 12 mètres carrés, c'est essentiellement les petits commerces. Et ensuite, voilà, il y a un tarif pour les enseignes dont la superficie est supérieure à 12 mètres carrés. Donc il est proposé à l'Assemblée délibérante d'exonérer sur le territoire communal les dispositifs dépendants des concessions municipales d'affiches et apposés sur du mobilier urbain, d'exonérer sur le territoire communal les enseignes ayant une superficie inférieure ou égale à 12 mètres carrés, de fixer les tarifs comme proposé ci-dessus pour 2023, et d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents nécessaires à son application. Oui, cette exonération, c'est une exonération qui avait été proposée dans le cadre du Covid ou c'est une... C'était dans le cadre du Covid cette exonération ou c'est un choix de la municipalité? Alors, on en avait parlé d'abord dans le cadre du Covid, hein, on l'avait maintenu. Voilà, et vous comptez la maintenir? On n'en est pas vraiment sorti. Pour l'année à venir, oui. Après. Ok, merci. Excuse-moi, Bernard. Les tarifs que vous proposez là sont établis comment? C'est-à-dire, c'est vous qui, c'est la ville de Fulvaux qui les met en place ou est-ce qu'il y a des accords intercommunaux entre. Pour le moment, ils sont effectivement communaux. Et par contre, on a des fourchettes, on est encadré par l'État. Hein, il y a des plafonds, des choses comme ça, par enseigne, par type d'enseigne, par mobilier urbain, etc. Par contre, effectivement, en ce moment, la métropole, travaille un RLPI, puisque ça, c'est issu du règlement local de publicité. Il devrait sortir en fin d'année 2022 et effectivement après il est prévu une uniformisation sur les 92 communes de la métropole de ces tarifs-là. Mais à ce jour ce n'est pas encore le cas et à ce jour c'est toujours la commune qui perçoit ses recettes. Oui d'accord, non mais bon c'était sur les tarifs parce qu'il se trouve que par curiosité j'ai regardé les tarifs auxquels j'étais soumis moi personnellement et ils sont identiques aux vôtres. On ne peut pas le dire, c'est l'automonnaie. Donc d'accord. Je me disais peut-être que la CPA avait déjà fait ce travail-là. Ou est-ce que c'est un hasard ou est-ce que c'est une entente intercommune qui fait que, avec affinité, les maires se sont dit c'est correct d'avoir à peu près tous ces mêmes tarifs, de façon à ce qu'il n'y ait pas un dumping, c'est ça qu'on dit, intercommune. Donc voilà, c'était tout, c'était une question. Parce que quand j'ai vu ça, j'ai regardé ce à quoi j'ai été mangé. Et il se trouve que c'est vraiment les mêmes. Donc, j'imaginais que la CPR avait déjà établi ça. Après, on regarde effectivement, les tarifs des uns et des autres pour justement être dans le vrai, quoi, et pas faire. Non, mais il n'y a pas eu d'entente particulière. Ah non, mais moi je trouve ça personnellement très bien, puisque. Mais bien sûr. On appartient à une communauté de communes, qui n'est pas le voisin qui est à 10 mètres près. Ben là, ça va être le cas avec la métropole du coup. C'est une bonne chose. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Merci beaucoup. Guillaume, c'est l'actualisation des tarifs de l'occupation de domaine public sur la commune. Actualisation des tarifs de l'occupation de domaine public sur la commune de Fulvaux qui annule et remplace la délibération 199 de 2014. L'objectif est que toute occupation du domaine public doit avoir en face un montant. Pour faire court sur les pages qui sont écrites. Sont exonérés de paiement la commune,
l'État qui pourrait faire des travaux sur la commune, et la gratuité pour les associations à but non lucratif. Les montants que nous souhaitons actualiser. Il y a une commission à laquelle ont participé l'APM, les services techniques. Toi ? Martine, oui. Toi ? Il y a qui d'autre ? Voilà. Guido ? Oui. Donc on a pris donc nos tarifs de 2014, on a pris les tarifs des communes environnantes et on a fait des décisions pour se dire que ça vaut le coup de réactualiser et de mettre ces prix-là. Donc, ça fonctionne par bloc. Si ça ne t'intéresse pas, tu me le dis. La redevance liée aux activités commerciales. Donc, les bars et terrasses et les cafetiers. Vous avez vu dans le village, tous les commerces qui n'ont pas forcément de terrasse ont la possibilité de mettre un guéridon et deux tables. Non, un guéridon et deux chaises. Ça se ressemble bien. Et donc, tout commerce a la possibilité de le faire, pour peu qu'il ne gêne pas la circulation, dont des fauteuils en temps de café. Et à ce moment-là, on donne la gratuité de cette occupation du domaine public. Les tailles fixes des terrasses. Donc une terrasse fixe est une terrasse qui reste là toute l'année et qui est non couverte et non fermée. La taxe sur le montant est de la superficie est de 11 euros par mètre carré par an. Pour les terrasses fermées et semi-fermées, 15 euros par mètre carré par an. Pour la redevance liée aux camions à pizza ou tout communément les camions magasins qui pourraient vendre tous les produits, en plus des pizzas, mais plutôt de la consommation. Sans fluide ou avec fluide, donc sans fluide c'est 170 euros par mois et avec fluide 220 euros par mois. Si ce camion souhaite avoir une terrasse de plus de 2 tables et de 6 chaises, avec ou sans fluide, il paiera 250 euros par mois. Vous m'arrêtez quand vous voulez. L'emplacement du marché communal diurne, sans fluide, c'est au mètre linéaire, 1,80€, et avec fluide, 2,80€. Pour les camions de déballage, donc, pour vous imaginer, c'est ceux qui venaient jusqu'à présent déballer sur le parking des bus, pour l'outillage par exemple. Sans fluide, 42€ par jour, et avec fluide, 60€ par jour. Les braderies foires agricoles, vente exceptionnelle, marché de Noël, marché nocturne avec fluide. Donc, ah oui. Ah ben, j'ai raté. Ah ben, oui. La redevance liée aux activités festives, récréatives et culturelles, les cirques et installations récréatives, sans fluide par jour, 100 euros et avec fluide, 130 euros. Les petits spectacles inférieurs à 15 mètres carrés, 50 euros sans fluide, 70 euros avec fluide. Les redevances liées au tournage de films dans la voie publique ou en prise publique. Là, on a pensé à Mario Premier Regard. Donc, vous avez tout un panel de montants qui sont mis en face à un certain nombre d'activités liées au cinéma. Les vides-greniers dans l'organisation seraient faites par la commune. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, c'était dans le cadre d'une association à but non lucratif, ce serait une association gratuite du domaine public. Si c'était organisé par la commune, ce serait 2,50€ par mètre linéaire et par jour. Les braderies, foires agricoles, les ventes exceptionnelles, les marchés de Noël, les marchés nocturnes. La même chose, si ça devait être organisé par la commune, ce sera 5€ le mètre carré et par jour pour le nocturne. Pour le diurne et pour le nocturne avec fluide, 8€ par mètre linéaire et par jour. Les taxis, redevance avec ou sans emplacement sur la commune, donc exonération pour les taxis. L'occupation du domaine public professionnel.
30 euros par jour. Mais c'est bon. Eh ben oui, justement. Mais c'est parce que tu nous as raconté. Ben c'est toi qui la personne qui va faire son truc devant la Chapelle Saint-Michel. C'est ça. Oui, c'est ça. Ah, c'est ça. Le professionnel. Alors, voilà. Non, 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 ça c'est autre chose encore et qu'on n'a pas, on est encore de délibération sur le sujet. Dans la commission, il y a trois sujets sur lesquels on doit se réunir. Ah oui, d'accord. Bon, ouais, il y en manque. Il y en manque. Okay. On l'a vu l'autre fois, il y avait des commentaires qui avaient été faits. Donc on a pris note et on les a retirés pour mieux partager sur le sujet et on reviendra sur trois. En particulier les forêts. Là. Absolument. Par exemple, l'occupation du domaine public. Supposons qu'une association à but lucratif ou quelqu'un voudrait occuper un domaine comme la chapelle Saint-Michel, extérieur en l'occurrence, parce que l'occupation du domaine public de location des salles a été gérée par Sandra. Ah, c'est pas du domaine public, c'est des salles. Voilà, mais c'est pas différencié. Voilà, c'est pas différencier les choses, donc les bâtiments et l'air extérieur, l'occupation du domaine public extérieur. Donc, si d'aventure quelqu'un qui ferait quelque chose de lucratif, sur le domaine public, on lui demanderait 30 euros par jour. Voilà. Donc, nous demandons d'autoriser Mme le maire à délivrer, sur la base de l'éducation du domaine public, sollicité et par délégation du chef des services de la police municipale concernant les autorisations temporaires. Voilà. Des questions. Activité festive, récréative en juillet, août, ça fait partie des points qui vous restent à discuter ou c'est un... C'est quoi les points? C'est quoi les activités sur le temps? Il y a deux sujets, activités festives, récréatives et culturelles. À chaque fois, c'est marqué en dehors des périodes juillet-août. Du coup, je vous demande ce qui se passe en juillet-août. En juillet-août, il y a des choses particulières, certainement. Il fait beaucoup plus chaud, plus qu'au plus tôt. Donc, oui, effectivement, entre juillet et août, il y a des activités différentes, comme la fête foraine. Donc, ils sont traités différemment. Oui. C'est des points qui pourraient s'ajouter. À discuter. J'ai juste un point là qui m'interpelle, parce que là on est sur les tarifs, mais en amont, et je vois notamment un arrêté portant réglementation, voilà, les conditions d'octroi et d'autorisation, et c'est justement là-dessus que ça m'interpelle, comment ça se fait justement en amont pour donner une autorisation justement à un ambulant, comment ça se passe? Voilà. Comment ça se passe? Il doit se présenter en mairie, avec tous les papiers légaux, assurance... le fait qu'il ait un cabiste qui lui permet d'avoir des choses, etc. Il va à la mairie au service administratif géré par Cathy en bas. Parce qu'il n'y a pas de réglementation pour l'instant. C'est un peu au coup par coup. Non, c'est pas au coup par coup. Là, vous me posez la question, c'est comment ils font. Donc, comment ils font, je vais la démarche chronologique du comment ils font. Par la décision de droit, s'il n'y a pas de réglementation pour l'instant, comment ça se passe? Si quelqu'un te demande de faire un mariage à la chapelle, voilà. C'est dans ce sens-là que tu viens. Non, mais est-ce que tu l'autorises ou pas? Et si tu l'autorises, voilà. C'est qui prend cette décision? Le mariage, j'en peux pas. Ben voilà, mais tu vois, mais pas tout le monde le sait. Voilà. Mais voilà, comme je donne un exemple. Je donne un exemple. On a arrêté justement pour ça. Donc, pour l'instant, comment ça se passe? Voilà, qui prend cette décision? Les décisions sont prises collégialement pour les services, la PM, le service technique. D'accord. Et de temps en temps, on en parle même en commission pour savoir si on fait ou si on ne fait pas un certain nombre de choses. Voilà, c'est pour ça. Mais bon, c'est tout. Oui, mais non, mais voilà, c'est pas juste une question. Je donne un extra point qui n'a pas été traité. On reste sur l'ancienne mouture. Oui, mais on va essayer de revenir très rapidement. D'accord. C'est parce que. Ok. Parce qu'en fait, la dernière fois, on a pu, sur les trois sujets. Qui était donc le forain, qui était l'occupation pour les travaux, etc. Et, voilà, on s'est dit que ça va être toujours discuté et de rétablir un tarif qui était. C'est vrai qu'on C'est bon? C'est presque bon. Quelles étaient les recettes jusqu'à présent avec les anciens tarifs et quelles sont les projections des futures recettes quand tout ça sera en place?
pas d'objection de fait, mais il y a pas spécial. Et les recettes avant sur le choix, sur la dernière, ça rapporte quoi à la commune l'occupation des domaines publics? On va dire dans les 20 000 euros par an. Entre le marché, le plus important, c'est le marché. Le marché. Voilà. Parce que la récurrence, toutes les semaines, deux fois par semaine. Cinq. D'accord, merci. Jusqu'à maintenant, on faisait quasiment. On passe au vote qui est contre, qui s'abstient. Merci beaucoup. Alors là, on vous a rajouté une délibération, mais on vous demande si vous voulez bien la voter aujourd'hui, parce qu'on nous a demandé de le faire. C'est la préfecture, mais si vous ne voulez pas, si vous voulez le réfléchir, on le fera le mois prochain. C'est dans le cadre du compte financier unique. Vous savez que FUVO a été élu pour faire partie... Désigné, oui. Plutôt. Pour faire partie du compte financier unique, donc la M57, et ça fait partie de l'expérimentation, et pour ce faire, nous devons délibérer pour l'adoption d'un règlement budgétaire et financier. Donc on vous demande si vous souhaitez l'adopter aujourd'hui ou si vous préférez le faire le mois prochain. Alors, on peut que pour ça. Non, si ça apporte pas de préjudice et si on peut attendre, on préférerait pouvoir lire les 18 pages pour pouvoir éventuellement en parler. Là, c'est vrai que pas de souci. Ne nous dites pas qu'après 5 jours c'est trop tard. Hein. Non, on l'amène. Hein. Allez, ça va. Donc on passe à l'adoption d'autorisation de programme et de crédit de paiement. Donc, suite au PPI, les autorisations de programme et les crédits de paiement visent à planifier la mise en œuvre d'investissements sur le plan financier en cohérence avec les volets organisationnels et logistiques. Alors, c'est très bien documenté dans le règlement budgétaire financier que vous avez. Tout en apportant une plus grande transparence, ce dispositif permet d'optimiser la gestion pluriannuelle des investissements en respectant les règles de l'engagement comptable. Aussi, en cohérence avec le plan pluriannuel des investissements acté par notre assemblée délibérante, il est proposé d'adopter la création d'autorisations de programmes et de crédits de paiement conformément au tableau. Il est proposé à l'assemblée délibérante d'adopter la création d'autorisations de programmes et de crédits de paiement APCP conformément au tableau annexé, la présente délibération, et d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents nécessaires. On avait parlé en effet au moment du budget et on avait dit qu'on a exprimé notre satisfaction de cette nouvelle granularité par rapport au numéro d'opération qui ne nous permettait pas de suivre. Donc on confirme qu'on est très intéressé. J'ai juste une petite question. Oui. Par rapport à l'année 2021, on est toujours sur les montants estimés prévisionnels. On n'a pas encore l'arrêté 2021 pour mettre à jour, c'est ça? On aura le mois prochain. Voilà, effectivement, c'est lors du vote du. Alors, avant, compte administratif, compte de gestion, et cette année, normalement, CFU, compte financier unique, qu'on va vous actualiser l'année 2021 avec le réalisé. Et après, on réajuste pas. Ok, c'est clair. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, qui est contre, qui s'abstient, merci beaucoup. En termes de ressources humaines, on vous demande de délibérer sur le renouvellement de la convention mise à disposition à temps plein d'un agent de la ville de FUVO auprès d'AB. Ah pardon, excusez-moi, on est allé très vite, mais effectivement j'ai levé la main pour l'abstention, mais je crois que ça bien été vu. Alors, c'est pas une abstention sur le principe de l'exercice, hein, parce que je trouve qu'il est effectivement très utile. On a suffisamment débattu sur le sujet. C'est une abstention par rapport au contenu et au choix des projets qui sont intégrés dans le présent document. C'était pour... sur les choix d'investissement, et non pas sur le format du tableau. Oui, ça vous plaît pas, c'est ce que j'ai dit. Donc, c'est le renouvellement de la convention mise à disposition à temps plein d'un agent de la ville de FUVO auprès de la métropole Aix-Marseille-Provence. Donc, c'est le renouvellement de la mise à disposition de Madame Lydia Repossi, qui a fait le choix de partir à la métropole en tant que chargée de mission développement durable.
Je profite de la délibération pour demander ce qu'il en est du remplacement de Mme Ripossi. La dernière fois, il avait été évoqué par vous, peut-être par Dominique Chen, que deux personnes éventuellement couvriraient ses responsabilités précédentes. Où est-ce qu'on en est ? Non, mais tout à fait. On a embauché récemment, c'est-à-dire le 1er décembre 2021, un ingénieur qui s'appelle Rémi Hermelin et qui est aujourd'hui responsable du service urbanisme et de l'environnement, puisque du coup le service urbanisme devient pôle urbanisme et environnement et qui va donc couvrir une partie des missions qui étaient dévolues à Lydia. Et il y a aussi également une personne qui fait partie du pôle urbanisme et environnement qui sera désignée pour travailler sur les sujets. D'accord, donc tout ce qui était lié à anciennement Agenda 21, Territoire durable ou maintenant le CCDDF sera sous la responsabilité du service urbanisme et développement durable. Urbanisme et environnement. Et environnement. Donc on en était à l'approbation de la mise à disposition donc de Lydia Ripossi. Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci beaucoup. On passe donc à la dernière délibération sur la culture pour le projet d'établissement de l'école municipale de musique. Solliciter les demandes de subventions auprès des différents partenaires, nous est demandé un document donc, fixant les objectifs de l'école de musique pour les 5 ans à venir, donc c'est le projet d'établissement. Donc il décrit le contexte local, le fonctionnement et les missions de l'école de musique, la description de l'équipe pédagogique, la description des activités pédagogiques, des activités de diffusion de la musique, des objectifs et opportunités d'évolution. Un document similaire sera présenté pour la bibliothèque prochainement. Là, il est en cours de réflexion. Je voulais saluer le travail considérable qui a été fait par le service donc, depuis le mois de septembre et les allers-retours entre le service et les élus pour ce document. Voilà, et donc il est proposé à l'Assemblée délibérante de valider ce document de travail annexé à la présente délibération, donc ce sont les 20 pages, fixant les objectifs du service pour les 5 ans à venir et permettant de demander des aides financières, d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents nécessaires. Alors merci, en effet c'est un document vraiment intéressant, 20 pages, très riche. Malheureusement un peu tard, on aurait pu rester pas mal de temps sur, ah, mais non, on a tout notre temps, sur la discussion. Ouais. On va... Bien sûr. On va voir. On peut prendre le temps. Ok. Alors, évidemment, je commence par ça, comme ça on le met de côté. Vous savez que sur le tarif, on aurait préféré un tarif auto d'effort. On est sur un service municipal. Mm-hmm. Je pense que maintenant, ça va être le dernier service municipal qui est plus auto qui a pas de taux d'effort, si je ne dis pas de bêtises. Oui, je crois. C'est peut-être le cas, effectivement. Mm-hmm. Donc on trouve ça vraiment dommage et on espère peut-être. C'est-à-dire qu'on tient beaucoup à notre école de musique municipale. Donc on voudrait la garder, on ne voudrait pas la mettre en péril. On vous l'aide. En fonction de la façon dont on applique ce taux d'effort, ça ne veut pas dire forcément baisse de revenus. D'accord. Répartition différente. C'est peut-être chouette pour les familles. Oui, c'est un coup, bien sûr. C'est important pour la commune. Ça n'a jamais ramené plus de recettes. C'est bien pour ça qu'on met en place les taux d'effort. En général, ce n'est pas le but, en effet, mais c'est de répartir différemment. On peut vous le dire, parce que du coup, comme on a mis en place pas mal de taux d'effort sur la commune, comme vous le dites, on peut vous confirmer qu'à aucun cas, ça n'a de recettes supplémentaires. Absolument pas.
C'est un coût pour la commune, mais c'était une volonté politique de le faire. Voilà. Et on l'assume. Voilà. Et on pense que ça serait bien de le faire aussi pour l'école de musique. Mm-hmm. Pareil, pour favoriser l'accès, alors, je crois que c'est évoqué dans les idées à venir, le prêt d'instruments peut être aussi important pour les premières années. C'est aussi un effort financier important. Mm-hmm. Donc, si on pouvait aller aussi dans cette direction... C'est pour ça que c'est noté dans le projet d'établissement. Voilà. Mais aujourd'hui, on n'a pas vu forcément de budget là-dessus. Donc, Non, c'est encore à l'étude là. En plus, on essaie quand même d'actualiser, de renouveler donc, le matériel. Et c'est vrai que c'est une volonté de mettre en place ce service-là. Ce serait une très bonne idée. Oui. Si on regarde les chiffres, on voit qu'en effet, on a les chiffres jusqu'en 2017, on ne sait pas où on en était avant, mais on voit une croissance qui s'est arrêtée. Alors évidemment, il y a le contexte Covid, et je pense qu'au-delà, il y a peut-être aussi des questions de saturation de salles, où tout ça donne l'image d'une école qui... Je ne veux surtout pas utiliser de terme péjoratif, il ne faut surtout pas le prendre comme ça, mais qui plafonne un peu. Quoi. On est arrivé à une sorte d'asymptote, là, et donc les gens qui y sont très satisfaits. La question, c'est comment on continue à la développer au-delà. Recruter des nouveaux élèves, est-ce que des campagnes dans les écoles pour familiariser, ou bien est-ce qu'aujourd'hui, on ne cherche pas tellement ça? Puisque de toute façon, on est un peu au maximum de la capacité de l'école. Ben, on a fait quand même, là, bon, c'est vrai qu'on a essuyé une baisse donc, là, par rapport à la crise sanitaire. On a développé de nouveaux services, parce que ça, c'était justement une demande donc, des usagers qui sont déjà donc, inscrits à l'école de musique, notamment dans les musiques d'ensemble, et aussi la fanfare, la chorale pour les ados, etc. Et on a fait aussi, lors de l'ouverture de la saison culturelle, donc c'était assez inédit, on a appelé donc des journées portes ouvertes. Donc c'est vrai que l'école, sur certains cours, on peut dire que c'est saturé plus ou moins, mais bon, il y a quand même un turnover, il reste quand même un turnover. Mais on a encore la capacité de développer, et notamment de développer ces cours d'ensemble qui sont très demandés. Et c'est aussi une volonté, c'est très riche aussi pour les enseignants, parce que c'est aussi une demande des enseignants de développer ces cours-là, parce que ce sont des cours qui sont très riches. C'est vrai aussi, en réfléchissant au développement possible, il y a certains endroits où on voit des stages d'été qui sont mis en place, qui permettent peut-être sur une période plus courte de toucher d'autres élèves. Et une deuxième idée là qu'on a pu voir aussi, c'est des résidences d'artistes, oui. Ouvrir sur des personnes extérieures. Alors ça, on le fait, des résidences d'artistes. D'ailleurs, on l'a fait il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était il y a un mois de ça. On a accueilli donc une artiste, c'était dans le thème du cirque. Donc elle est venue une semaine en résidence et après elle a proposé donc aux jeunes fuvelins, un spectacle sur le ciel. Donc ça, les résidences d'artistes, on essaie un peu dans l'année de le développer. Après c'est plus de l'opportunité. Il faut savoir que pour l'été, si je peux me permettre, le statut des professeurs de musique à FUVO a le... L'école de musique municipale a un vrai, enfin les agents ont un vrai statut d'enseignant et donc on ne travaille pas pendant les vacances scolaires. D'accord. Voilà. Okay. Et peut-être pour résumer, parce que je n'ai pas envie de rentrer dans tous les points, pour résumer un peu, moi ce que je me suis posé comme question et je suis intéressé par votre réponse. On a une école municipale, on a pris ce choix-là, cette option-là. On le voit dans son financement à 60% par la commune. C'est une volonté forte. Et en fait, en regardant le document, ça ne m'a pas forcément sauté aux yeux ce que ça a changé par rapport à une école
associative, comme on peut avoir à Rousset ou quelque chose comme ça. Donc, peut-être c'est parce que je ne l'ai pas bien vu, peut-être parce que ça n'a pas été suffisamment mis en avant dans ce document-là. Et je me dis, c'est un, voilà, il y a un choix de statut, vous l'avez dit, important. Non, c'est pourquoi vous... Non, je m'interroge. Ça peut être une DSP ou une association. Donc voilà, je me demandais pourquoi ça ne ressortait pas forcément, ou bien est-ce que je ne l'ai pas bien vu. Et voilà, dites-moi, pour vous, quelle est la plus-value importante d'avoir une école municipale? Je vais faire la même réponse que j'ai pour mon autre délégation concernant les crèches aussi, parce qu'on pose aussi la question concernant aussi les délégations de services publics concernant les crèches. La régie, c'est quand même un gage de stabilité, un gage de qualité et de maîtrise des coûts aussi et des tarifs concernant donc, les élèves. Et surtout, mettre en avant... mettre en avant surtout la qualité du service public. Parce que nous, on croit, enfin moi je crois profondément donc, au service public et je trouve que de proposer une école municipale à Fuveau, c'est vraiment une richesse pour les Fuveurs. Je signerais presque dès demain si on avait cet effort sur la tarification pour permettre. Mais là, mais voilà. Mais signer que d'une main alors. Voilà, que d'une main alors. L'important c'est la signature finalement. Vous l'ayez faite d'une main ou deux. C'est bon pour vous? Et alors, en parallèle de ce projet d'établissement, on voulait vous soumettre un amendement. Donc, je pense que vous l'avez reçu par mail. Tout à fait. Vous voulez qu'on le présente maintenant? Vous voulez d'abord voter d'abord? C'est à vous de vous demander si vous voulez le présenter. C'est vous qui nous le proposez. Évidemment, vous le proposez. C'était est-ce que vous vouliez terminer sur le projet d'établissement et... Non, il n'y a pas de souci. Le projet d'établissement, juste, je rajoute quelque chose, c'est qu'il a été, je le dis en préambule, mais c'est qu'il a été pratiquement entièrement réfléchi, rédigé par les services. Il y a eu des groupes de travail qui ont été menés, notamment lors de la pré-rentrée en septembre. Ça a été mûri, donc je salue encore cette réflexion et cette qualité de... Donc, tu préférerais qu'on vote ça et qu'on parle de l'amendement après, c'est ça? Non, parce que il y a l'amendement. Non, mais... Ouais, non, mais bon, voilà. Qu'on dise aussi... Non, non. Non, mais après, alors, allez-y. Vous avez... Non, je vais dire après. Ok. Donc, on vous propose un amendement sur ce projet d'établissement de l'école municipale de musique. Donc, à l'intérieur du banc, à plusieurs reprises de la nécessité de créer un nouvel service de ces centaines d'usagers. Un nouvel outil dont les attendus sont précisés, salle de cours plus basse, mieux insonorisée, auditorium. En ce moment, on a aussi par ailleurs la mission d'assistance maîtrise d'ouvrage pour ce futur bâtiment qui devrait débuter prochainement, qui vise à construire sur ce site de la Maison pour tous, à la fois la future école de musique, la future médiathèque, la future salle de spectacle de la commune. Cette hyper-densification sur le même lieu a quelques avantages, d'ailleurs c'est mentionné dans le document notamment, mais aussi de nombreux inconvénients. Saturation des accès, parking limité, aucune marge de manœuvre pour accompagner une éventuelle croissance future, et je rajoute peut-être aussi plus compliqué en termes de transition. On va avoir besoin de trouver de la place pour la bibliothèque, l'école de musique, pendant que ce sera refait. Ça sera certainement très, très compliqué. Donc, peut-être ce choix est-il le bon, mais peut-être pas. En tout cas, nous voudrions être sûrs que toutes les solutions ont été étudiées avant de nous engager dans de tels travaux qui vont structurer le village pour de nombreuses années et impacter significativement son budget d'investissement et de fonctionnement bien au-delà de ce mandat.
Par exemple, et ce n'est là qu'un exemple pour ouvrir la réflexion, on ne dit pas que cette alternative est meilleure, on dit qu'il y a peut-être des alternatives à étudier. Nous pourrions étudier la solution qui construirait le futur pôle culturel autour de quatre lieux distincts, irriguant ainsi l'ensemble de la commune. Une école de musique à sa place actuelle, en utilisant les locaux de la Maison pour tous et de la bibliothèque pour augmenter le nombre de salles et construire l'auditorium tant attendu. Une médiathèque, pourquoi pas Château-Bourély, et à cet endroit éventuellement des logements permettant d'y recevoir des artistes en résidence. Une salle de spectacle, et là on pourrait ouvrir la réflexion, pourquoi pas à la Barque, qui manque tellement d'équipement, que l'on relierait au village les soirs de spectacle par une navette communale. Pourquoi pas la Rocaoudou, au pied du chemin des Vertus, là on pourrait réfléchir à cet emplacement. Et puis, pourquoi pas un théâtre de verdure auprès de la chapelle Saint-Michel, cité tellement beau. Nous ne savons pas si ce projet serait économiquement plus abordable, à la fois en investissement et en fonctionnement, mais nous voulons vous alerter sur le fait que des alternatives sont possibles et qu'à notre avis, la meilleure façon d'avancer serait de constituer un groupe de travail regroupant les services municipaux concernés, les élus de la majorité et de la minorité, les associations qui pourraient utiliser ces bâtiments à l'avenir, des fumelins volontaires, afin d'élaborer plusieurs options qui feraient ensuite l'objet d'études approfondies, de chiffrage, et seulement à ce moment-là, d'un choix définitif. C'est ce sens que prend notre amendement ici, donc qui vise, article premier et unique, à créer une commission extra-municipale. Je ne sais pas si tout le monde l'a lu, sinon je peux vous en faire lecture. Afin de créer ce nouvel outil nécessaire au développement de l'école de musique municipale et à l'ensemble du pôle culturel Jean Bonfillon, nous décidons de créer une commission extra-municipale chargée d'étudier les solutions possibles, leurs coûts et de faire une recommandation au conseil municipal sur le ou les futurs bâtiments municipaux nécessaires et leurs emplacements. Cette commission comprendra des représentants des services municipaux concernés, des élus de la majorité et de la minorité, des représentants des associations qui utiliserait les futurs bâtiments, des élèves et usagers du pôle culturel, ainsi que des fumelins volontaires. Cette commission sera aidée d'un assistant à maîtrise d'ouvrage pour les solutions techniques et le chiffrage. Voilà. Ok. Enfin, juste pour information, si je peux me permettre, personnellement, je trouve que votre amendement est totalement hors sujet. Je m'explique. Le projet d'établissement n'est absolument pas un début de commencement du pôle culturel. En aucun cas. Que vous en serviez pour faire un amendement, je veux bien, mais ce n'est pas sur une délibération du projet d'établissement de l'école de musique qu'il faut faire un amendement sur la façon dont on travaille avec le pôle culturel. Enfin, ou alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez lu le projet d'établissement? Je vous en doutez? Mais non, mais je m'interroge. Vous me posez des questions, je vous en pose aussi. Le futur lieu est évoqué à de nombreux endroits. Ensuite, c'est essentiellement une question de timing. La prestation d'assistance et maîtrise d'ouvrage devrait commencer dans les jours à venir. Je ne sais pas où vous en êtes de la décision, mais c'est imminent. Elle part sur un cahier des charges qu'on n'a pas discuté en conseil municipal, donc sur lequel on n'a pas pu faire de commentaires. Ben, on s'est vu en réunion de travail la dernière fois, vous n'avez fait aucun commentaire dessus. Ben, si, je pense qu'on vous a dit qu'on vous a demandé de préciser si c'était un souci, un lieu. Voilà, mais vous nous avez posé des questions qui vous fait. Voilà, mais on vous a répondu à toutes les questions à la dernière réunion de travail que nous avons eue ensemble, non? Oui. Voilà. D'où on a réfléchi et on... Et du coup, vous faites un amendement en conseil municipal sur le projet d'établissement. Je suis étonnée de la méthode. Excusez-moi. La délibre de... on va dire
initial, c'est donc le projet d'établissement. Le projet d'établissement, c'est notamment un document sur lequel on va s'appuyer pour aller demander des subventions. C'est le projet d'établissement qui fixe en fait les objectifs pédagogiques, notamment toutes les activités, les pistes de réflexion, notamment on parlait tout à l'heure du prêt de matériel, etc. Donc c'est vraiment sur du fonctionnement, quoi. Donc c'est vrai que là, quand on a lu votre amendement, franchement, moi tout de suite on s'est dit mais là c'est un peu hors sujet. Mais je pense qu'on a bien séparé les deux sujets. On a commencé par vous poser des questions uniquement sur le projet. Oui, mais là vous faites un amendement sur le projet d'établissement. Enfin, c'est ça le titre de votre amendement. Donc du coup, je comprends pas trop, quoi. En fait, on n'a pas le choix puisqu'on n'a pas le droit de proposer de délibération totalement indépendante dans le conseil municipal. Pourquoi vous voulez proposer des amendements? On a un peu expliqué, de toute façon, c'est notre façon de fonctionner sur des projets structurants, notamment comme le pôle culturel, comme ça a été le cas pour la Bastide Vitalis, comme ça a été le cas pour l'école de la Roque-Martine, ça c'était dans le mandat précédent. On a toujours fait des commissions, donc avec à chaque fois des acteurs pouvant donc apporter leur expertise, etc. Là, ce qu'on vous a, la méthode et notamment notre réflexion, ça a été dans un premier temps, c'est de constituer un cahier des charges avec les techniciens, donc avec le service, avec donc les utilisateurs pour savoir un peu les besoins, etc. Donc pour le pôle culturel, le futur pôle culturel. Après, à partir de là, on missionne donc un AMO, et l'AMO, quand il rend sa copie, on vous a dit qu'on constituerait un groupe de travail donc avec les associations, tous les utilisateurs, les associations, les utilisateurs donc de l'école de musique de la bibliothèque, pas que de l'école de musique, parce que la réflexion ne va pas se faire que sur l'école de musique, là ça va être vraiment pour le pôle culturel. Donc aussi les personnes qui utilisent qui sont utilisateurs que de la saison culturelle. Bien sûr, vous serez conviés, mais ça a toujours été, c'est toujours dans notre discours, dans notre méthode de travail, quoi. Et on a déjà abordé dans d'autres conseils municipaux. Donc là, du coup, l'amendement, là, franchement, je ne le comprends pas. Je vous le dis, je préfère être franche, hein, je ne le comprends pas. Ok, alors je vais essayer de... Oui, voilà, c'est surtout que on fonctionne comme ça, vous voyez très bien qu'on travaille comme ça sur les commissions du CMJ, sur le budget participatif, sur la Bastide Vitalis, forcément sur le projet structurant comme le pôle culturel. C'est évident qu'il y aura des groupes de travail. C'est évident. Donc, ce qui nous a un petit peu inquiété, c'est de voir ce cahier des charges d'assistant maîtrise d'ouvrage qui parle d'un seul lieu, qui semblait déjà, il va répondre à la question qu'on lui pose. Si la question qu'on lui pose, c'est combien pour faire le pôle culturel ici, il va répondre à ça. Si la question qu'on lui pose, c'est ça, mais est-ce qu'il y aurait d'autres solutions alternatives, par exemple celle-là, mais ou une autre, de répartir sur plusieurs emplacements en réfléchissant à ce que ça veut dire. Alors, la demande des services, elle est très claire, hein. Elle est de rester dans un seul et même lieu. Et aujourd'hui, on a alors de la mutualisation. Vous vous rendez compte de faire quatre sites différents? Et au-delà de ça, vous parlez de la médiathèque d'un côté, la bibliothèque, bibliothèque d'un côté, l'école de musique de l'autre. On sait très bien actuellement, je ne sais pas si vous êtes utilisateur donc, de l'école de musique et de la bibliothèque, actuellement, les jeunes de l'école de musique, quand ils attendent donc leur séance, leur cours, ils vont à la bibliothèque, etc. Entre guillemets, c'est leur salle d'attente. Donc, de mettre tous les services éparpillés sur la commune, après, il y a aussi une question de sécurité. Et ça, les enseignants de l'école de musique, ils le mettent vraiment en avant. J'entends ce que vous dites, mais vous répondez complètement différemment. Vous disiez ça, il va y avoir des commissions qui vont discuter, et maintenant vous nous dites non, ça a été décidé parce que la meilleure solution, c'est un seul lieu. Ah, mais l'emplacement, c'est sûr et certain que l'emplacement, nous le souhaitons au pôle culturel actuel.
Donc oui. L'assistant maîtrise d'ouvrage va étudier uniquement cette solution. C'est une étude de faisabilité. Voilà. Mais sur cette solution-là, pas sur une autre. Absolument. Voilà. Ben, c'est... Mais il faut juste... on ne peut pas avoir tous les trucs tout seul. Oui, juste, je rebondis sur l'éclatement en fait du service public, en fait de ce service. Bon, aujourd'hui, on nous impose quand même avec la loi climat résilience d'avoir une sobriété foncière très très poussée, donc de répartir plusieurs lieux, alors qu'aujourd'hui, on nous demande justement de mutualiser et même de densifier. Les endroits qui sont non artificialisés, il nous semble quand même que de répartir un petit peu à droite et à gauche sur la commune un même service, hein, c'est quand même un petit peu fort de café. Oui, merci. Alors, je pense que là où. Je sais pas, j'essaie de m'exprimer. Quand on construit une ville, quand on construit un réseau urbain, quand on construit des choses comme ça, on essaie aussi d'être au service des habitants. Si vous faites un seul pôle culturel à un endroit bien précis, vous centralisez quelque chose. Moi, je ne parle pas d'écologie et tout ça. Peut-être des fois, je ne suis pas fanatique, mais on pourrait en reparler et on pourrait se rendre compte qu'au contraire, de diviser les endroits, pourrait aussi amener les gens à moins utiliser des véhicules qui polluent, des choses comme ça. Voilà. Autre chose, je reviens à mon idée d'urbanisme. Quand nous avons fait des campagnes pour les élections, à nouveau, on parle d'un endroit qui s'appelle les écarts. Donc chaque fois, les gens, nous on est dans les écarts, on est dans les écarts, on est dans les écarts. Donc notre idée à nous, c'est d'essayer de rendre humain ces écarts, c'est-à-dire en donnant à certains endroits, en se rapprochant, on pourrait mettre une bibliothèque à un endroit, on peut mettre ici une école de musique, et c'est une vision d'humaniser un peu une ville, de transformer Fulvaux en, pas une ville, mais en quelque chose d'un peu ouvert. Si on met un seul endroit, un pôle culturel, on bloque tout à un endroit bien précis, et c'est tout. Alors, si en plus on regarde la construction de Fulvaux, on s'aperçoit que tout est au sud. Si vous regardez de l'autre côté, il n'y a plus rien. Donc notre idée à nous était d'un peu de rendre un peu plus éclaté ce tissu urbain. Maintenant, après, c'est peut-être une vision philosophique, et c'est la mienne, mais bon. C'est essayer de rendre le village plus ouvert à tout le monde. Voilà. Maintenant, c'est le village plus ouvert à tout le monde. Non, mais le service. C'est difficile à exprimer quand on a une vision un peu plus d'urbanisme, de pouvoir tout centrer à un endroit. C'est ce qui me gêne, moi, dans le pôle culturel que vous voulez faire. Alors, c'est pas nous qui voulons faire ce pôle culturel, ça a été un travail fait notamment, et on vous l'a expliqué, avec les services, avec le chargé de mission qui a été missionné justement pour travailler dessus. Donc, et ça a été une discussion évidemment avec les élus. La demande claire de la part des services, c'est quand même important de prendre. Justement, quand on construit un pôle culturel qui est structurant, la culture à Fulvaux est essentielle et on le sait très bien que Fulvaux porte une attention particulière à la culture et le village est reconnu pour cela, notamment à travers notre école de musique municipale. Il est quand même important de demander le retour d'expérience de nos agents, de l'ensemble des utilisateurs également, qui quand même, ça me semble une évidence. Ensuite, vous avez également, moi vous me parlez des écarts, je l'entends complètement, j'ai aucun souci là-dessus. Aller aujourd'hui construire, dans les écarts, construire quelque chose, c'est juste pas possible, c'est plus possible. Avec le PLUI, vous ne pouvez plus construire dans les écarts, c'est fini. Voilà, donc ça c'est réglé.
voulez qu'on aille je ne sais pas, au Rajol, ou vous ne pouvez plus, c'est fini. Donc, moi, quand vous me parlez d'écart, je pense à ça, à moins que j'ai mal défini les écarts. Disons que je ne sais pas aller construire aux écarts, mais c'est donner à l'ensemble du village de Fuveau des sortes de portes. Si, quand nous, on parle de la Bastide de Bourély, c'est pas un écart, la Bastide Bourély. C'est pour ne pas tout centrer d'un seul côté. C'est donner, dire de ce côté-là, on peut avoir, comment dire. Et puis, c'est, vous parlez de village culturel, c'est un point. Moi, quand je verrai un village culturel, c'est quelque chose d'ouvert, de plusieurs endroits où on puisse trouver de la culture. Là, c'est un point. Alors, c'est un grand point quand même, hein, pardonnez-moi. Tout petit, excusez-moi, tout petit. Mais je avec sais pas. Avec plus de 400 élèves dans une école de musique. Non, mais je parle de la construction du local. Ah, parce oui. que si vous voulez, on peut parler de Venel, qui construit 2000 mètres carrés. On peut parler de Venel, oui. 2000 mètres carrés. Bon, moi, je ne suis pas tout à fait pour... Rappelez-moi le budget du pôle culturel de Venel. 2000, mais je ne sais plus, je n'ai pas vu... Non, c'est pas de... Non, c'est plutôt pour... 25, même. Oui, ouais. Non, mais je suis entièrement d'accord avec vous. Mais Fuveau et Venel sont deux villes ou villages à peu près de même... Alors, la même taille, je vous l'accorde. Voilà. La proximité, avec des élus qui sont aux mêmes endroits. Pourquoi alors, qu'est-ce qui change? Et qu'est-ce qui change le budget? Alors, donnez-moi qu'est-ce qui change le budget de cette construction. Alors le budget de construction, c'est 10 millions d'euros. La construction, c'est pas un souci. C'est pas la construction le problème. C'est le fonctionnement derrière. Il n'y a pas de souci pour les constructions. On pourrait le faire, bien sûr. On peut faire le choix politique de faire. Mais par contre, derrière, vous avez un fonctionnement qui est absolument extraordinaire. Posez la question, venez-moi. Non, mais on n'est peut-être pas obligé de faire ce que fait Venel. Ah ben, je sais pas, c'est vous qui en parlez. Non, mais moi, ce que je dis, c'est que... Mais il a tout fait au même endroit, par contre, moi aussi. Excusez-moi, il y a un exemple où à Venel, la volonté municipale a été de faire quelque chose d'impressionnant. Oui. Après, je tiens quand même à dire que c'est votre colistier, le maire de Venel, sur... philosophiquement, vous avez un peu les mêmes idées. Après, bon, on ne va pas rentrer dans les débats parce que... Ah, mais si vous voulez, moi, j'ai aucun problème là-dessus. Je n'ai pas de tabou sur le sujet. Non, ce que je voulais dire... fait un pôle culturel à 10 millions d'euros, que Béatrice, mon fiancé qui avait ça, doit faire un pôle culturel à 10 millions d'euros. Ça n'a absolument rien à voir. Par contre, ça va à l'encontre de ce que vous dites, parce que lui, il a fait exactement la même chose. Santé, je ne suis pas d'accord avec cette idée. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on peut mettre les moyens pour essayer de faire les choses... Il n'y a juste pas d'école de musique. On me dit qu'il faut que je vous arrête. Je peux discuter, j'ai toute la soirée. Et gestion départementale. Et quel plaisir de voir le tourbillon descendre avec un pain au chocolat, traverser le village avec sa guitare sur le dos et d'être dans un village encore avec une dynamique parce que. Nous sommes des commerçants. C'est exactement ce vers quoi j'allais. On a tous les villages qui sont aux alentours, qui sont en train de mourir. Il n'y a plus le cœur de village. On voit encore de la vie dans notre village. On va mettre toutes les écoles un peu éparpillées. On va tuer le centre du village. Et on deviendra un village mort comme tous les autres villages. Alors donc, laissons les gamins venir chercher leur malabar à la presse, aller chercher leur chocolatine ou leur pain au chocolat et vivre dans le cœur du village. Alors, on continue comme ça, on est tellement heureux comme ça. Alors, je pense qu'on a nos châteaux Bourély passeront aussi. Chocolatine, c'est pas ici. Le château Bourély, c'est pas un écart. Hein. Alors, ce que je voudrais dire, et peut-être que le débat là, il correspond à ça, c'est... Beaucoup de gens ont envie de parler de ce sujet parce que c'est structurant pour des années et des années. Bien sûr. Et malheureusement, le choix il a été fait, il a été décidé. Ah oui, Oui, mais on l'assume totalement. Peut-être que ce choix est le bon, mais on trouve dommage de ne pas commencer par avoir ouvert la discussion, étudier toutes les possibilités, que tout le monde puisse donner son point de vue. Peut-être que vous vouliez donner votre point de vue. Ne dites pas tout le monde. Il y a un moment donné, vous ne pouvez pas demander à chaque étape d'un projet l'avis de tout le monde. Ce n'est pas possible et vous le savez. On peut ouvrir un cahier que les un gens cahier. Peuvent s'exprimer. Oui. On peut.
On peut ouvrir un cahier, effectivement. Pourquoi vous prenez ça comme ça? Qu'est-ce qui est... Non, je suis étonnée de votre... Mais c'est pas grave, je suis étonnée. Effectivement, moi je veux bien ouvrir un cahier, mais je suis pas certaine que les gens vont venir pour marquer... On parle d'une commission. Ça va. Notre proposition, c'est une commission. Après, la commission, elle va être faite, monsieur Solman. Et on vous l'a dit, mais depuis toujours. Non, pas sur le lieu. Non, pas sur le lieu. Effectivement, parce qu'on a besoin de garder un village qui est dynamique, parce que c'est notre politique depuis toujours, que Rodolphe vient de vous le dire, on en est très fiers. On a la métropole qui a fait une étude sur notre village et sur notre cœur de ville, qui nous dit on ne voit ça nulle part ailleurs qu'à Fuveau. Vous voulez quoi qu'on tue ça? Mais jamais de la vie. Parce que le pôle culturel fait partie intégrante du dynamisme local. Mais en quoi la proposition qu'on a faite, et qui encore une fois est juste un point de discussion pour dire ouvrons les mais possibilités. Discutons sur autre chose, on va discuter sur plein de choses parce qu'on va faire une discussion extra-municipale, bien sûr. Sur quoi, quel sera le contenu de cette discussion municipale? Sur la confection du pôle culturel, il va y avoir plein de questions. Mais c'est-à-dire, parce que en fait, là, vous nous expliquez les sujets sur lesquels on ne va pas discuter. Le sujet, monsieur Neuville. Quels sont les sujets sur lesquels on va discuter? Sur tout le reste. C'est-à-dire, précisément sur le lieu. Mais surtout, sauf le lieu, enfin, je veux dire, pour faire un projet structurant, monsieur, je vais pas vous faire un dessin. Enfin, bien sûr, vous avez vous avez l'école de musique, vous allez avoir la médiathèque, vous allez avoir la salle de spectacle, on va avoir de quoi discuter, hein, ne vous inquiétez pas. Vous avez le lieu, vous avez le... Non, mais après, ça va être sur l'utilisation aussi des associations, sur l'utilisation partagée, ça va être sur les lieux d'exposition, ça va être... Il y a différents sujets... le lieu, quoi. Ce n'est pas de la concertation, c'est une demi-concertation. Ah, une d'accord. Ok. Parce qu'on ne vous a pas demandé le lieu. Donc, à partir du moment où on n'a pas fait comme vous vouliez, ça ne sera pas de la concertation. Mais j'ai aucun problème là-dessus. On fera de la formation. Vous bloquez sur la question du lieu, mais à travers le lieu, c'est pas moi qui bloque. Projet, c'est la déclinaison, c'est le... Est-ce qu'on a besoin d'une médiathèque ou pas? Est-ce qu'on a besoin d'un auditorium ou pas? Ben c'est ça, mais c'est exactement ce qu'on vous disait. C'est exactement ce qu'on vous dit. Donc en commission extra-municipale, c'est de ça dont on parlera, effectivement. Mais effectivement, le lieu, il sera, nous souhaitons le laisser dans le centre-ville de Fuveau. Effectivement. Non, le cahier des charges, il est précis pour l'assistant à maîtrise d'ouvrage pour faire une étude de faisabilité. Et après, derrière, vous passez à un bureau d'études et là, vous commencez à travailler. C'est à ce moment-là où vous avez tous les ateliers et les acteurs qui rentrent en jeu avec la concertation. C'est à ce moment-là, monsieur. Ah oui, effectivement, c'est nous qui décidons. Et bien, on est élus pour ça, d'ailleurs. Ce que l'on défend, c'est que d'autres manières de gérer le projet sont possibles. Certainement. Mais moi, éclater le pôle culturel, on ne le fera pas parce que ce n'était pas la volonté ni des services, ni la nôtre pour garder la vie dans le village. Encore une fois, on ne dit pas qu'il faut l'éclater par principe, on dit qu'il faut étudier toutes les possibilités. Mais ça a été étudié et ça on est... Pardon? Ah ben pardon, oui, ben oui, ben c'est-à-dire qu'actuellement, on est élu pour ça, monsieur, pour prendre des décisions, effectivement, donc on les prend et on les assume. Ça aurait été parfait de nous présenter les résultats de votre étude, nous dire voilà, on a étudié ça et ça, là, les plus, les moins, les différentes options, et du coup, on a... Mais vous nous en avez parlé la dernière fois, à la réunion de travail que nous avons eue? Vous nous avez posé toutes ces questions? Je pense que ça fait au moins 3 ou 4 fois qu'on en parle au conseil municipal. Ah non, pas autant, non. Pas du tout. Depuis le début,
nous explique que dans un premier temps, c'était le cahier des charges avec les services, les besoins, etc., PAEMO, et ensuite, on passerait donc à un groupe de travail. Enfin, on n'a rien changé. Enfin, rien. Enfin, je ne sais pas. Enfin... Ah non, on n'a rien changé du tout. Donc voilà. Et depuis le début, on vous dit que notre porte est ouverte et vous pouvez venir quand vous voulez discuter. Voilà. Vous préférez faire des amendements, il n'y a aucun problème. Mais nous, on vous répond sur le projet d'établissement. Sur le projet d'établissement. Il faut qu'on vote. Là. Moi, j'aime bien du coup, on n'a pas. Donc, il faut qu'on vote, effectivement. Donc, on va voter sur l'adoption de l'amendement. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient. Merci beaucoup. On va passer donc au vote de la délibération sur le projet d'établissement de l'école municipale de musique. Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Le conseil municipal est terminé. Je souhaite à tous une excellente soirée.